Salut les seigneurs de guerre, bienvenue sur Creative Wargames. Avant le lancement de cette partie, je voudrais vous présenter notre partenaire pour cette vidéo, MyHobbyPlays. Vous trouverez sur leur site les meilleurs prix du net pour l'achat de vos figurines. De plus, pendant tout le mois de mai, si vous faites un achat sur le site, vous participerez automatiquement à un tirage au sort vous permettant de gagner une boîte Léviathan, la V10 de Warhammer 40 000. Bonne vidéo à tous! Bonjour à tous, c'est Julien, je suis à nouveau revenu chez Creative Wargame pour refaire une partie de Kings of War. Cette fois-ci, je suis venu avec une armée des orques Riftforge, les orques de la faille, qui est une armée qui est beaucoup moins subtile que l'armée Goblin, étrangement. La base principale de mon armée se base sur une infanterie de légionnaires faille forgés, qui sont j'ai trois régiments et une horde de légionnaires faille forgés qui vont être là vraiment pour tenir la ligne de front. En soutien à ces légionnaires faille forgés, je vais avoir un régiment de deux haches qui va être en seconde ligne pour pouvoir taper un petit peu plus fort si le besoin s'en fait sentir. Je vais aussi avoir deux troupes de marchands de la faille qui sont des petits volants avec un petit moral, de petites attaques, mais qui sont un petit peu mobiles parce qu'ils sont volants et agiles. Ils peuvent être assez intéressants pour servir d'écran potentiellement. Derrière cette ligne de front, on va dire, d'infanterie, je vais avoir un sanctuaire forge-foudre, qui est un titan, qui va être là pour motiver et booster mes unités à l'aide de sorts comme Mélopée du Fléau, etc. Il y a des règles un petit peu spéciales que je vous expliquerai pendant la partie. Je vais avoir un héros qui s'appelle Tonar. Donc Tonar est un cavalier, un indépendant, qui tape pas trop mal, qui est pas très cher, qui est plutôt pas mal. Et derrière toute cette ligne de piétaille plus ce petit cavalier, je vais avoir pas mal de volants. Je vais avoir un gros dragon qui est un lance-foudre sur Éventreur ailé, qui a d'ailleurs été peint par le studio Creative Wargame et qui est une figurine mantique qui est plutôt pas mal. Et je vais avoir aussi trois lance-foudres sur Manticore ailé. Donc on va avoir en tout 4 volants qui volent à 10, qui sont agiles, qui tapent un petit peu, qui vont aller embêter l'adversaire. Bonjour à tous, je m'appelle Clément, je joue à King of War depuis 6 ans, j'ai commencé avec Arthur, que vous avez vu dans la vidéo précédente sur King of War. Je suis venu aujourd'hui avec une armée des Forces des Abysses, une armée qui est plutôt spécialisée corps à corps, pas trop de tirs, mais avec pas mal d'unités spéciales. Mon armée est constituée au centre de 4 régiments de succubes, qui ont comme règle spéciale entrave, qui permet d'encaisser pas mal de charges d'unités diverses. Un Chronéas qui en soutien, ainsi qu'un sorcier abyssal que je présenterai plus tard. En force un peu plus punchy, je vais avoir deux cavaleries abyssales, supportées par un puits des âmes qui va leur permettre de les soigner. Et à côté de ça, j'ai également deux troupes de gargouilles et une séductrice et Motibusu en électron libre pour contrôler certaines unités ou certains objectifs. On se retrouve autour de la table de jeu pour présenter les points. Nous avons donc tiré au scénario le scénario 8, qui est le scénario mise à sac. C'est un scénario à objectif. Il y a au centre ici un objectif sur lequel on va scorer à la fin de la partie. Et nous avons dû placer chacun 3 objectifs chez l'adversaire, donc après le déploiement, sur la ligne des 6 pouces de la ligne centrale. J'ai placé un objectif ici, 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 et mon adversaire l'a placé ici, ici et ici. Nous avons donc un objectif central ici, qui score à la fin de la partie. Pour scorer sur un objectif, il faut avoir le plus de puissance d'unité à 3 pouces de l'objectif, par rapport à la puissance d'unité de l'adversaire. Et sur les autres objectifs, on va aller scorer chez l'adversaire. Donc moi, je vais aller scorer sur les pions noirs. Toi, tu vas aller scorer du coup sur les pions blancs, bien évidemment. Et sur ces objectifs-là, à partir du tour 2, si moi, je le contrôle, l'objectif disparaît. Et ça me fait un point. Mon adversaire peut le contester, mais il ne peut pas le contrôler. Il peut contrôler que ceux qui sont sur mon terrain. Je ne peux détruire que ceux de son côté. Et je ne peux que l'empêcher de le détruire, les miens. Au déploiement, c'est moi qui ai choisi le bord de table. Donc j'ai commencé à me déployer, mon adversaire s'est déployé. Tu nous présentes ton déploiement ?
Donc pour mon déploiement, la force principale de mon armée se trouve ici. Donc on va trouver les deux régiments de succubes, supportés par un Chronéas qui va apporter la force que les succubes n'ont pas, ainsi que le sorcier abyssal qui va apporter le motivant, ainsi que des sorts importants tactiquement pour mon armée. Sur ce côté-là, on va voir ma force un peu plus rapide avec les cavaliers, qui tapent aussi beaucoup plus fort, avec le puits des âmes en soutien pour apporter le motivant, mais également aussi le soin pour les maintenir en haut. Ensuite, en électron libre, on va retrouver ici et ici des gargouilles. Alors, spoiler alert, celles-là vont servir principalement pour contrôler des objectifs, vu qu'il n'y a pas trop d'unités de ce côté-là. Tandis que celles-là vont plutôt essayer de gagner du temps. Et également ici, une séductrice et Motibusu, que j'appelle communément Bashibuzouk, parce que c'est plus facile à se rappeler, qui vont servir ici pour gagner du temps aussi face aux unités volantes de Julien. D'habitude, j'ai tendance à les éparpiller un peu plus, puisqu'elles apportent également le motivant. Mais vu que la majeure partie des volants au socle carré de Julien sont de ce côté-là de la table, je les ai mis donc de ce côté-là. Pour ma part, j'ai donc décidé de jouer sur ce qu'on appelle un flanc ennemi, c'est-à-dire que j'ai totalement abandonné le flanc droit qui se trouve ici, et j'ai tout concentré au centre et sur mon flanc gauche, et la principale, mes principales forces de frappe se trouvent quand même sur mon flanc gauche. J'ai positionné mon infanterie, qui est quand même la base de mon armée, qui avance assez lentement, mais qui est assez punchy malgré tout. Ici, ici, ici et là, ce sont donc tout ça, c'est des légionnaires faille forgée. L'idée, ça va être d'avancer sur le centre, de tenir le centre et d'essayer de lui faire aussi mal que possible, même si en face, du fait des terrains difficiles et de son entrave et de son Chronéas qui va les soigner, ça va être compliqué pour moi de le tuer. Néanmoins, j'ai placé mes unités de façon à essayer de pouvoir avancer le plus vite possible vers les objectifs. En soutien de cette infanterie, nous avons le sanctuaire Forge Foudre qui se trouve ici, qui va donc servir à booster mes unités, les motiver, leur donner de la mélopée du fléau, etc. Qui est positionné comme ceci pour pouvoir aller se placer derrière mes unités dès mon premier tour. En soutien aussi, j'ai là les marcheurs de la faille, qui sont donc les petits volants agiles qui volent, qui ont vitesse 7, qui sont là pour pouvoir servir potentiellement d'écran ou pour pouvoir aller protéger un petit peu mon flanc droit, parce qu'en face, il a quand même beaucoup de rapidité, donc il faudra forcément que je protège ici à un moment ou à un autre. Mes volants à 10 pouces, donc mon dragon qui se trouve ici, ainsi que mes lance-foudres sur Manticore Infernal qui sont ici et ici, sont plutôt sur le flanc gauche, histoire de pouvoir aller potentiellement contourner l'adversaire ou se positionner sur la colline qui est ici et ainsi avoir un champ de vision sur l'ensemble du champ de bataille. Voilà pour mon côté. Comme je vous l'avais dit, c'est pas très subtil. On sait tout de suite vers où je vais aller, ce que je vais tenter de faire. Ça passe ou ça casse. On verra bien ce que ça donne. On va donc passer au début de la partie. Pour cela, on va décider qui est-ce qui va jouer en premier. On va lancer chacun un dé et celui qui fait le meilleur score va choisir qui commence. Et ben, c'est toi qui choisis, mon cher. J'ai choisi de commencer, bien entendu. J'ai choisi de commencer, bien évidemment. Ah, comme c'est étrange. Je t'en prie, à toi. Deux armées de corps à corps, en général. Effectivement, c'est plus intéressant de commencer. Je viens de terminer ma phase de mouvement, donc je vais vous présenter ce que j'ai fait. Donc ici, vous pouvez voir les gargouilles qui ont un tout petit peu avancé, le but étant de contrôler l'objectif afin qu'il ne puisse pas le détruire. Alors même si au premier tour, il ne pourra pas, ça permet un peu de faire la police de ce côté-là. Et il n'y a qu'un seul de ces volants qui pourra aller charger les gargouilles, ce qui lui donne une petite côté chance sur deux, une chance sur deux de tuer les gargouilles, ce qui est un peu un pari. Pour lui. Voilà, il s'est mis de façon à ce que je puisse le charger qu'avec un seul truc. On le voit ici à 20 pouces. Là, les autres sont trop loin. Donc, il contrôle l'objectif sans que je puisse le charger avec tout le monde. Donc, effectivement, c'est un bon move. C'est ça. Éventuellement, il pourra venir se rapprocher sans charger avec plusieurs volants. Mais ça me paraît un peu dangereux, d'où ce qu'il le fasse. Encore une fois, c'est à partir du deuxième tour. Mais on commence déjà à placer ses pions. Donc ici, autre déplacement intéressant, la séductrice a un bouclier de vergnome, ce qui fait qu'elle a une défense à 6 jusqu'à ce qu'elle prenne un dégât. Je l'ai mis à portée de charge de ces deux volants, donc la manticore et le dragon. Donc sachant que s'il prend les deux charges de flanc avec l'entrave, de face avec l'entrave,
en plus du décor, il n'y a aucune chance qu'il passe. Avec sa défense 6, plus l'entrave, plus le décor, ça devient compliqué. C'est ça, il va toucher sur du 5 avec une... Bon, le dragon a une force dévastatrice à 3. Oui, tout à fait. Donc c'est, ça l'impacte moins, mais ça mais reste un sacré pari. C'est un sacré pari. Donc ici, j'ai avancé mon front principal de manière à faire un petit escalier. L'idée étant qu'il ne pourra pas faire de grosses charges sur une seule unité. Alors je suis encore hors de portée de charge, donc c'est encore c'est de la préparation pour le tour suivant, mais l'idée sera là d'avoir un mouvement en escalier pour ne pas avoir des doubles charges sur mes unités. Je suis mis dans le décor. L'idée future, donc, ce sera de contrôler ces deux objectifs jusqu'à la fin de la partie en l'empêchant de prendre des charges non gênées. Donc encore une fois, entrave plus charge gênée, moins 2 pour toucher, ça devient compliqué. Ici, Motibusu, je l'ai placé ici pour faire un peu la police partout, voir ce qu'il peut faire pour mon tour 2, si je peux éventuellement faire une charge avec ma cavalerie par exemple, comme ça elle viendra en renfort pour bloquer une autre, un autre régiment derrière et éviter des charges de flanc futures. On peut peut-être préciser aussi que tes deux unités indépendantes ici, elles sont duelistes. Tout à fait. C'est-à-dire qu'elles vont doubler les attaques sur les personnages indépendants, et moi chez moi en personnage indépendant, j'ai juste Tonar qui est ici. Pour le moment, personne ne le voit, mais son intérêt à lui, ça va être aussi d'aller essayer de perturber Tonar qui se trouve là. Potentiellement. Ici, ma cavalerie, donc, je l'ai avancée. Alors, le placement peut penser être un peu bizarre. L'idée ici, c'est de pouvoir partir soit à droite, soit à gauche, suivant ce qu'il fait. Soyons francs, à gauche, il y a peu de chance, mais s'il place ses fantômes, ça peut permettre de rebondir éventuellement pour prendre des charges de fond plus tard. Donc là, je me garde des options. Pareil ici, j'ai commencé à tourner l'unité pour faciliter, enfin voir des unités qui seraient par là, si ça peut permettre des doubles charges de cavale. Enfin ici, les gargouilles qui ne voient plus rien pour les tours suivants, elles se placent pour aller détruire cet objectif au tour 2. Elle est hors de portée, de très très loin de ces unités. Donc je suis confiant sur le fait que celui-là, ça détruit à la fin de mon tour 2. Donc je vais passer à la phase de tir. Alors j'ai très peu de tirs, mais mon magicien va pouvoir lancer un sort. Donc il va lancer le sort de malédiction. La malédiction, ça permet d'empêcher un lanceur de sort, enfin de donner un malus au lanceur de sort ennemi. Mon adversaire, Julien, en a deux. Un qui est derrière la forêt, donc je ne peux pas le voir. Il s'agit de le sanctuaire Forge Foudre qui est ici, donc il est tout bien caché, il ne peut pas lui tirer dessus. C'est pour ça que je l'ai mis là, d'ailleurs, pour pas qu'il se fasse cibler. C'est ça. Mais il a aussi mis une baguette du mystificateur sur un de ses volants, de ses manticores. C'est une baguette qui permet de lancer malédiction, lui aussi. Et comme je n'ai pas forcément envie qu'il me lance le sort de malédiction au prochain tour, ou alors qu'il prenne des dégâts s'il le fait, je vais donc lui lancer une malédiction 3. Tout à fait. Sachant que j'ai le bâton de l'invocateur, donc je peux relancer un jet de dé raté. Donc si jamais il fait une touche, je suis malusé. Une touche, ça suffit. Et ben voilà. Donc si je veux lancer un sort, il ne faut pas que je bouge, et si jamais je lance, je me prendrai 2 dégâts pour chaque touche que je fais. Tout à fait. Et donc mon tour 1 se termine ici, puisque je n'ai pas de corps à corps et pas d'autres tirs en plus. Donc je laisse Julien commencer son tour 1. Ah, ça c'est bien ça. Fin de ma phase de mouvement sur mon premier tour. Alors, qu'est-ce qu'on a fait assez simplement sur la table? Ici, sur le centre, on a temporisé. C'est-à-dire qu'on a avancé de façon à ce qu'il puisse me charger avec sa cavalerie. Ici, par exemple, il peut venir me charger là. Mais il ne peut pas charger grand-chose d'autre. J'avance pas trop. Je couvre un tout petit peu avec mes volants ici, là, que j'ai pivoté ici, de façon à ce qu'ils impactent de ce côté-là. Ils ne sont pas assez prêts pour aller charger là-bas, mais au moins, ils essaient de couvrir un tout petit peu ici. On a ma deuxième ligne aussi qui est là pour pouvoir impacter si jamais il finit par me charger. Sur mon flanc gauche, bah là, on a avancé autant que possible. On a exposé le régiment de légionnaires failles forgées ici, qui peut se faire charger par beaucoup de gens. Derrière, on est monté sur la colline avec la horde, avec le dragon, avec le petit lance-foot sur un manticore infernal. On a placé un autre ici en arrière aussi. Et là, on est allé charger les gargouilles, puisque les gargouilles, j'ai pas trop de risques à prendre en les chargeant. C'est-à-dire que si jamais la charge passe pas, c'est pas très grave pour moi. Si elle passe, c'est tout bénéfice. Donc, on y est allé. On va voir ce que ça va donner. On laisse ça au dé.
On laisse ça au dé, tout à fait. Et puis le petit sanctuaire Forge-Foudre, il est venu se positionner ici, de façon à pouvoir avancer derrière à la suite de mes troupes. Et bien, fin de ma phase de mouvement, et je vais passer, du coup, j'ai pas de phase de tir, puisqu'il m'a maléficé mon seul... Ah si, j'ai une phase de tir, pardon, j'ai oublié. J'ai une phase de tir avec le dragon. Phase de tir, du coup, j'ai 10 tirs de boule de feu du dragon qui va tirer sur l'indépendant ici. La boule de feu, elle va avoir un malus puisque ma cible est à couvert et aussi furtive. C'est pas cumulatif sur le sort boule de feu, donc je vais toucher à 5+, au lieu de toucher à 4+, de base. On est donc à 10 tirs sur du 5. Ma foi, ça va. Oui, tu as une défense de... J'ai une défense de 4. Une défense de 4, donc on va être sur du 4. Je te fais 2 dégâts. Tout à fait. Et le sort boule de feu a normalement shattering. Donc en français, c'est dévastateur. 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 Et du coup, il va faire un jet de morale. Enfin, je vais faire le jet de morale avec moins 1 sur son moral. Tu as donc pris 2 dégâts. Tu as un moral de 12-14. 12-14. Donc, je fais 11 avec 13. Le shattering. Ça fait 14. Donc, faut relancer. Je relance. S'il te plaît. Je fais 10. Je suis. Tu es ébranlé. Ébranlé, tu es ébranlé. 10, il a pris 2 dégâts, on est à 12. Plus le shattering, on est à 13. Il a 12-14. Il est ébranlé. Je salue ta chance au dé. Ça me va très bien. Ça commence très très bien tout ça. Fin de ma phase de tir, du coup. Je vais passer à ma phase de corps à corps. En corps à corps, j'ai donc mon lance-foot sur Manticore Infernal qui a chargé les gargouilles ici. Il a donc 5 attaques. 5 attaques qui sont sur du 3. J'en passe 3. Il a force dévastatrice 2, tu as une défense de 4. Tout à fait. Donc ça va être sur du 2. J'ai une défense de 3, excuse-moi. Tu as une défense de 3 Ouais, bah peu importe. En tout cas, voilà. C'est sur du 2, je te fais 3 dégâts. Tout à fait. Il est brutal. 4. Donc même principe que sur le tir avec le souffle du dragon, j'ai un plus 1, enfin j'ai monté à moins 1 au moral sur mon jet de moral. Sur un 6, tu tues. Tu peux relancer. Tu as un motivant? Il est motivant, ta petite succube? La succube est motivante. Ok. Donc je relance. Ah, et ben là, pour le coup, ça va survivre. Tout à fait. Bon, bah ça a survécu. Bon, c'est pas si mal. Ça me va pour le moment. Fin de mon premier tour. Fin de ton premier tour aussi. On va passer au deuxième tour. Tout à fait. Donc je viens de finir le déplacement pour mon tour 2. Donc je vais commencer par vous. Je vais aller dans ce sens-là. Je vais commencer par les gargouilles ici, qui se sont mis sur un pion objectif. Le seul but étant de détruire l'objectif à la fin du tour. Et de se placer pour éventuellement revenir après, prendre un flanc, gêner une charge. On verra suivant le déplacement de mon adversaire. Ici, ma cavalerie s'est coupée en deux. Une qui regarde le front, je n'ai pas d'autre mot, et une qui regarde par ici pour éventuellement arrêter ces orques fantômes. Peux-tu me rappeler le nom? Les marcheurs de la faille. Pour arrêter les marcheurs de la faille ici. Pour empêcher qu'ils fassent perdre trop de temps à mes gargouilles ou même juste pour pouvoir faire une charge de flanc, contourner un peu le terrain. J'ai mis ici le puits des âmes sur l'objectif ici, afin qu'il soit détruit à la fin du tour également et que je n'ai plus à m'occuper de ces deux objectifs pour la fin de la partie. J'ai fait avancer le front ici un tout petit peu, juste histoire de contrôler les deux objectifs. Toujours en escalier, ce qui fait que là actuellement à portée de charge il n'y a que celui-ci qui puisse charger là, celui-ci qui peut charger un peu n'importe où, mais il ne peut pas y avoir de double charge, sauf éventuellement des deux volants ici, sur mon arme. J'ai chargé ici ma succube sur ce volant, afin justement d'empêcher une double charge, mais si je ne fais pas de dégâts, il sera libre de voler où il veut. Ici, j'ai contrechargé, étant donné qu'il ne m'a pas ébranlé, et je vais en profiter pour faire les jets de régénération, vu qu'il a régénération 4, donc si je fais des 4, je me soigne. Tu te soignes de 1. Je me soigne de 1, tout à fait. J'ai oublié de vous préciser, ici, j'ai fait reculer Motibusu de 5, parce que, étant donné qu'elle était ébranlée, je ne peux pas faire ce que je veux, mais je peux malgré tout reculer, donc elle s'est cachée derrière le régiment. Elle a collé le régiment afin d'éviter une charge d'un volant, car s'il avait pu toucher un coin, je me serais retourné. Donc voilà, je vais passer à la phase de tir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le sort Malédiction sur sa tour derrière, puisque je la vois. Est-ce que tu es sûr de la voir? Avec le dragon qui se trouve devant et la forêt. Je pense que oui, je pense que je tu la passes. Vois. Tu passes et tu la vois, je t'en prie. Donc pareil, 3D,
une réussite et le sort maléfice passe. Deux réussites, donc c'est amplement suffisant. Le maléfice est passé. Ensuite, le corps à corps. Donc je vais commencer avec la séductrice ici. Qui va aller taper mon lance-foudre sur qui n'a pas entrave. Manticore infernal qui n'a pas entrave, non, non. Donc, 5 attaques sur du 3+. Il y a tout ce qui touche, c'est plutôt pas mal. J'ai défense full. 5, ta force 1, c'est ça? Tout à fait. Donc c'est sur du 3. Sur du 4. Sur du 4, oui, pardon. 3 dégâts. Et ben, c'est pas mal du tout, ça. C'est très bien. Je ne m'en contenterai. 3 dégâts, il a 13-15 de morale. C'est ça. Alors, le but était surtout de le clouer au sol, ce qui est chose faite, parce que oui. Maintenant que j'ai fait tes dégâts, il ne vole plus. Tout à fait. Et au moral, 10. Et 3, ça fait 13. C'est ébranlé. C'est très bien. C'est plutôt pas mal. C'est très bien. Alors, le problème étant que tu as Fury. J'ai Aura de Fury avec mon tout à fait. Sanctuaire Forge Foudre à côté. Donc, c'est ça. Tu pourras te retaper. Tu ne peux pas partir. Mais je ne peux pas partir. Embêter. Ce qui, du coup, m'embête. Ton régiment, ta horde de derrière. Ça m'embête tout à fait. Même. Donc, ensuite, les gargouilles. Oui. Qui vont taper ta Manticore et lui aussi. Tout à fait. Tu as 10 attaques sur du 4, c'est ça? J'ai 10 attaques sur du 4, ce qui fait 4 touches. Tu n'as pas de force? Aucune force, donc sur du 5. Sur du 5. Un dégât. Un dégât. Mais bah, c'est toujours ça de prix. Fais le jeu de morale. Tout à fait. 10. 10 plus 1, 11. Ça tient. Ça tient, tout à fait. Il aurait fallu un 12 qui ébranle systématiquement. Effectivement. Bon, ce dégât-là sera soigné puisque tu as drain de vie. J'ai drain de vie 1, encore faut-il que je te fasse un dégât, mais oui. C'est fort probable. Et ce qui m'embête surtout, c'est ça qui est ébranlé là, parce qu'effectivement, ça me bloque pas mal. Là, tu fais une bonne opération pour le coup. C'est ça. Bah, c'est la revanche sur c'est la revanche, le petit Boussou. Ouais. Mais celle-ci est plus impactante, je pense, que celle que je t'ai faite moi, à mon avis. C'est pas impossible. Yeah, c'est pas impossible. On est à la fin de ton tour 2. Tout à fait. Ce qui fait qu'on regarde si je détruis des objectifs. J'en contrôle 2, puisque le puits des âmes a une puissance d'unité de 1. Les gargouilles ont une puissance d'unité de 1. Donc, je détruis ces deux objectifs. Tout à fait. Il marque donc 2 points. Tout à fait. Donc, pour la fin de la partie, si j'empêche mon adversaire de prendre ses deux points, j'ai gagné. Ça va tranquille. Être mon seul but. Fin de la phase de mouvement sur mon tour 2. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? On va commencer par le flanc gauche où j'ai chargé avec une deuxième unité. Donc, j'ai fait une double charge là. Enfin, il y a une contre-charge plus une autre charge sur les gargouilles avec les deux lance-foudre qui volent là. Là j'ai avancé un tout petit peu mon unité. Ici bah, je suis quand même assez embêté avec cette unité qui est ébranlée. Je profite de l'aura de Fury de mon Sanctuaire Forge Food pour contrecharger. Mais bon, il y a entrave, j'ai que 5 attaques, il a une défense 6 avec son bouclier de Vergnome. C'est un petit peu compliqué. Sur le centre, on a été chargé avec des légionnaires failles forgées et des marcheurs de la faille. On a été chargé une unité de succubes. Les marcheurs de la faille sont tout terrain, donc ils ne seront pas gênés par le décor. Par contre, ils seront gênés par le entrave, tout comme eux seront gênés par le entrave. Mais rien de dramatique. Tu me rappelais ils étaient dans la forêt au départ? Ceux-là n'étaient pas dans la forêt, ceux-là étaient ici. D'accord. Donc ils ont été tout droit, donc ils ne sont pas gênés. La bonne opération sur ce tour-là, c'est que mon dragon qui était ici avait une ligne de vue sur la cavalerie. Donc il est venu charger ici, il est à distance de charge. Tonard qui est venu aussi charger en renfort. Tonard a été un petit peu obligé de mordre sur la forêt pour charger, donc il va être gêné. Bon, ça passe ou ça casse. Et là on a avancé un tout petit peu en appât une unité ici, même si c'est compliqué parce qu'il a quand même beaucoup de monde. Donc on va voir. On va voir ce que ça va donner. C'est tout pour ma phase de mouvement. Je vais passer à ma phase de tir. Alors, j'hésite à faire une mélopée du fléau sur cette unité-là. Le problème, c'est qu'il m'a maléficé. Donc, si je le fais, il ne faut pas que je bouge. Je n'ai pas bougé, ça va. Par contre, pour chaque touche que je vais faire, je vais prendre 2 dégâts. Sachant que j'ai mélopée du fléau 1 de base et que je booste jusqu'à plus 3 avec les unités autour. Donc j'ai 1, 2, 3 unités à 6 pouces, même 4 potentiellement. Donc ça me fera un jet de mélopée 4. Ce qui potentiellement peut me faire jusqu'à 8 dégâts dans ma propre tête. Ça commence à faire beaucoup. Bon, l'avantage que j'ai, c'est que t'as pas de tir à distance de mémoire. J'en ai un sur le sorcier, mais... Ouais. C'est peu probable, il y a 18 pas, 5 attaques sur... 18 pas, 5 attaques, il y a peu de chances que ça me tue. Donc même si je prends des dégâts dessus, il risque de survivre un peu. Bon,
Et sachant que sans la mélopée, c'est très compliqué de lui faire des dégâts parce que j'ai que 5 attaques qui touchent là que sur du 4. Avec force 2, ça fait une stat. Il faut que j'arrive au moins à lui faire un dégât parce que si jamais je lui fais pas de dégâts et qu'il est encore là au tour d'après, ça va être une galère pas possible. Donc j'hésite. Sachant que le plus probable qu'il vienne achever ta tour si tu prends trop de dégâts, ce sera plutôt un des indépendants volants. Ah oui, tout à fait. C'est vrai aussi. Mais il faut qu'un indépendant volant me la voie aussi. Ceci. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, mais c'est assez grand. Mais il faut... Bah, il fait que taille 4. Hein. Il fait que taille 4, mon truc. Et je mords sur le... Là, tu mords, ouais. Mais je suis pas sûr que lui me voit, par exemple, tu vois. Ah, ça a discuté. Je suis pas sûr qu'il ait la distance non plus. Je suis pas sûr qu'il ait la distance non plus. Donc, bon. À voir. Est-ce que je prends le risque, est-ce que je prends pas le risque? Je sais pas encore. Donc, en joueur, je vais faire ça sur un jet de dés. Sur un 4+, je fais une mélopée. Sur en dessous, je fais pas de mélopée. Voilà comme ça, je joue. Et bah, je fais pas de mélopée. Je prends pas le risque. Très bien. C'est tout pour ma phase de tir. C'est le seul tir que j'avais, puisque le dragon est engagé au corps à corps. Je vais donc passer à mes corps à corps. Et on va commencer par ce qui devrait bien se passer. Donc on va commencer par les deux lance-foot sur Manticore Infernal, ici sur les gargouilles. Je vais les faire en différencié, parce qu'elles ont les mêmes stats, mais j'en ai une qui a pris un point de dégâts. Et comme elle a un drain de vie, j'ai besoin de savoir si elle fait un dégât pour récupérer son point de vie. Donc 5 attaques sur du 3. Force 2, donc on va être sur du 2. Je te fais 2 dégâts. Et je récupère un PV. Tout à fait. Le deuxième... Il y a deux qui touchent. Donc 2, 3, 4, 5, on a 6 dégâts. Tu avais déjà 2? Il y avait déjà 2, 8, on est sur un doublas. Il y a un brutal? Oui. Donc sur un doublas. Et c'est mort. Ça meurt. Ce n'est pas motivé. C'est pas motivé. Je récupère mon petit PV grâce au drain de vie. Voilà. Et puis au niveau de la reformation, on va tout bêtement se tourner. On va, alors ils sont censés être collés, donc je vais essayer de les placer de façon à ce qu'ils soient collés. Est-ce que potentiellement je ne le retournerai pas complètement, lui, comme ça? Pour pouvoir, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. Je vais faire ça comme ça. Il y en a un qui s'est tourné par ici et l'autre qui s'est complètement retourné, parce que si je me mets là, j'ai pas d'angle de vue. Je vais le mettre comme ça pour, ouais, je le mets comme ceci pour qu'il ait potentiellement un angle de vue là-dessus. Parce que ça, je ne le tomberai pas en un tour. Sauf un gros coup de chance. Et potentiellement, j'ai besoin de pouvoir l'achever vite derrière. Donc, bon, c'est un peu le risque. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Allons-y. On est donc à 5 attaques du lance-foudre qui touche donc sur du 4 parce qu'il est en trave. Donc, j'ai moins 1 à la touche. Je fais une touche. Ça commence à être embêtant. Ouais. J'ai force 2. Il a défense 6. Donc, grâce c'est au bouclier de Virgnome. Sur du 4. Allez, fais-moi un petit dégât là. Et eh ben je fais un dégât. Le dégât est là. Le dégât est là. Est cassé. Je te fais un jet de morale quand même. Tout à fait. Sur un 12. Et 8, on est à 9 avec le brutal, mais ça ne suffit pas à t'ébranler non plus. Tout à fait. Je t'ai fait un dégât, je récupère un PV, et tu n'as plus le bouclier de Verglome, et tu ne voles plus. Tout à fait. Ensuite, on va faire dans l'ordre. Je réfléchis un petit peu au niveau de mon replacement, si jamais ça a un changement, puisque... On choisit dans quel ordre on fait les corps à corps, et si jamais, ça peut des fois avoir intérêt de faire un corps à corps avant l'autre. Mais là, je suis pas sûr, on va le faire dans l'ordre, on va commencer par ici. On va faire les 10 attaques des marcheurs de la faille, qui ont donc 10 attaques sur du 5, parce que tu es en trave. Tout à fait, parce que là, c'est sur du 4. C'est bien. C'est un beau 5. C'est bien. Soyons francs. Ils ont force 1, tu as défense 3, donc c'est sur du 2. C'est bien. C'est très très bien. 7 dégâts. C'est beaucoup trop. Sur 10 attaques, c'est bien. C'est très bien. Ça, c'est ma vengeance. T'es venu venger un petit peu. Enfin, t'es venu remplacer Arthur, qui vient du même endroit que toi. Donc, tout à je fait. Me venge un petit peu. Donc, t'as pris 7 déjà. Et donc, maintenant, j'ai 12 attaques avec mes légionnaires faille forgée, qui tapent de base sur du 3, mais avec l'entrave, on est sur du 4. C'est bien. C'est bien. C'est très, très bien aussi. C'est force 1. Donc, c'est sur du 2. C'est très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je t'avais mis combien tout à l'heure? 7 7, 15, sur un doublas. Il n'y a pas de doublas? C'est relancé. C'est bien. C'est décédé. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Oui. Oui, toi aussi, t'aimes bien? Ça. Alors, j'avais pas beaucoup de chances de survie, mais à ce point, c'était quand même. Ça fait un petit peu mal. J'avoue que ça fait un petit peu mal. Alors, au niveau de ma reformation, ce que je vais faire, je vais pivoter ça. Comme ceci.
Et je pense que c'est tout ce que je vais faire. Parce que l'autre, je vois pas trop comment je peux le pivoter. Alors, sachant que le dragon est censé être un peu plus avancé, parce que là, j'ai pas réussi à le coller. Du coup, je le pivote un ch'touille comme ça. Ça te va ? Ça me va. Ok. On va espérer que ça continue comme ça. On va aller ici. Allez, allons-y. Donc, le dragon, c'est 10 attaques sur du 3. Tout à fait. Donc, ça part en trave. Exactement. Hop. Tac, tac, tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu as défense 5. Tout à fait. J'ai force 3, donc c'est sur du 2. Mais c'est bien ça. 1, 2, 3, ouais, 4, 5, 6, 7, 8. Tu fais pas beaucoup de 1. 8 touches. Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. 8 blessures. 8 blessures. 8 blessures. On va faire Tonard. Tonard, il a 6 attaques. 6 attaques de base sur du 3, mais là ça passe sur du 4 parce qu'il est gêné. Tout à fait. Les 5 et les 6 comptent pour 2 touches. J'ai 1, 6, donc ça refait une touche. Ça fait 4 touches. Il a force 2. Mmh. Donc on est sur du 3 avec la défense 5. 2 dégâts de plus. Ce qui fait donc 10 dégâts. Oui. 10 dégâts. J'ai de morale. 10 plus 5, ça fait 15. C'est ébranlé. C'est très bien ça. Mmh. Ça me plaît bien. Donc, on résume un petit peu sur ce qui s'est passé sur ce tour-là. Là, je suis content parce que ça a bien marché. C'est mort, donc c'est bien. Là, j'ai réussi à faire un petit dégât. C'est au moins ce que je voulais. Là, ça s'est très bien passé. Et là, j'ai réussi à ébranler son unité, ce qui, du coup, n'est pas mal non plus. Alors, il a son puits des âmes derrière qui va pouvoir soigner plein de choses, etc. Ils ont furie également. Ils ont furie également. Donc, ils vont pouvoir contrecharger aussi. Mais bon, je vais pas me plaindre sur mon tour. Globalement, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Eh bien, on est à la fin de mon tour 2. Je score quand même un petit point ici, puisque là, je suis tout seul à le contrôler. Donc, pour mon tour 3, niveau déplacement, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai contrechargé ici. Si je peux l'ébranler, c'est le mieux. Ouais, ça succube, elle commence à m'embêter, là. Elle est là pour ça. Elle est là pour ça, oui. Mais c'est parce que, regarde, il la regarde, c'est... Mais, il aimerait bien. Il y a de l'amour entre eux, je comprends, mais à un moment, il faut que la séparation se fasse quand même. Ouais. Ici, j'ai triple chargé. Je me suis dit, au bout d'un moment, il faut y aller. Si j'attends trop, c'est moi qui vais encaisser toutes les charges. Les régiments de succubes au milieu est gêné, mais le Chronéas est en tout terrain. Lui n'est pas gêné. Elle a été tout droit sans être gênée, donc pourra taper plein pot. Et ton Chronéas a l'un seul de mort. Tout à fait, le Chronéas a l'un seul de mort, ce qui fait que toutes les unités à 6 pas, donc ces deux régiments et cette troupe, les unités ennemies, je précise. Un dégât, tout à fait. Mes cavaliers abyssaux est en furie. Ils ont pu contrecharger le dragon en soutien avec Motibusu, qui va pouvoir apporter le brutal et quelques dégâts supplémentaires. Mes cavaliers sont régénération 5+, donc je vais pouvoir jeter 10 dés. Les 10 dégâts qu'il m'a fait pour régénérer. Si tu peux régénérer moins qu'Arthur l'autre fois, ça m'arrangerait. Si je peux régénérer plus de la moitié, ça me va. 1, 2, 3. Ça va, tes stats. C'est sur tes les stats. Tes stats, ça va, c'est raisonnable. Ça me va. Donc, il leur reste 7 dégâts. Ensuite, j'ai fait le déplacement du puits des âmes que j'ai fait charger ici. C'était un volant, donc aucun problème, il avait une ligne de vue. Tout à fait, sans souci. Vous voyez. La règle spéciale du Puits des Âmes, c'est qu'il peut récupérer les points de vie au point de départ d'un régiment alentour, donc à 9 pas, et les prendre sur lui. Donc il a commencé son tour ici, j'ai laissé un petit marqueur, donc il va récupérer les dégâts des chevaliers abyssaux sur lui. Hop, je retire le marqueur. Ce qui m'arrange pas, on va pas se mentir. Enfin, ici... j'ai fait une double charge, les deux sont gênés, mais je vais utiliser les bottes de Jess pour assurer le coup. J'ai déjà raté et resté bloqué à cause de ça, donc là le but c'est que ça passe très très vite sur eux et qu'on passe à la suite. Voilà, j'ai oublié au milieu, j'ai fait une charge sur eux ici, donc c'est une charge gênée, et j'ai mis le sorcier abyssal ici, hors de portée de la charge du volant ici, et le but étant de passer une mélopée du fléau pour que ça passe sans problème. Alors qu'est-ce que tu me fais comme tir ? Eh bien, je vais faire une mélopée du fléau sur eux, histoire d'assurer le coup. D'accord, très bien. Hop, on va ranger. Et... Ouais. Donc j'ai une mélopée du fléau 2. Tout à fait.
Ça passe. Ça passe. Donc ils auront plus 1 à la force. Donc voici donc maintenant la phase de corps à corps. Donc on va commencer par la séductrice pour voir la fameuse séductrice. Si elle le maintient en bon, joue. 5 attaques, c'est ça ? 5 attaques, tout à fait. Sur du 3 ? Sur du 3. C'est moins bien que tout à l'heure. Ouais. Force 1. Force 1. Donc sur du 4, parce que j'ai défense 5. Il fait 2 dégâts. Il passe à 4. C'est ça. Donc sur 14, 16, 13, 15. 15, 13, 15, 15. 15. Donc sur un 4, donc sur un 6, 9, je te l'ébranle. Je te l'ébranle. Bah oui, c'était branlé, effectivement, à nouveau. Bon. On va continuer sur lancer. Bah, j'avais pas enlevé le pion ébranlé, donc tu vois, il est toujours là. Hop, on est à 4, du coup. Parfait. Ça, c'est un homme heureux, ça. Ça se voit à son sourire. C'est à chacun son. Bon, après, ouais, c'était le risque, mais bon. Ensuite. Sur ce jet de moraux, sur le jet de moral pour la séductrice. T'étais bien là. T'es... Donc ensuite, bah, on va continuer. Donc j'ai pas d'autres. Oui, donc on va continuer dans la direction. Donc je vais faire les succubes. Donc les succubes ont 20 attaques. Donc je vais commencer par celles qui ne sont pas gênées. 20 attaques sur du 3. J'ai défense 5. Donc c'est sur du 5 après. Bah, c'est okay, pas mal 2, ça. 3, 4, 5 dégâts. 5 dégâts, ok. Donc là, celles qui n'étaient pas gênées. Tu me prends celles qui sont gênées, c'est ça ? C'est ça. Sur du 4, c'est pas fou. Non. Bon, ça va, c'est pas catastrophique non. Ouais, non, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Et sur du 5 encore. Tout à fait. Tu m'en mets 3 de plus. Ça va, ça revient à peu près. Je suis à 8 dégâts pour le moment. Hop, ensuite le Chronéas. Qui lui est tout terrain, donc il est pas gêné. C'est ça, 1 des 6 plus 6 attaques. Ah, 12 attaques, 12 ouais. Attaques. Ah, ça commence à être compliqué. Ça a piqué un peu. Donc t'es force combien? Déjà sur du 3 plus pour toucher, et ensuite je suis force dévastatrice 3, donc sur du 2. Donc sur du 2. Ah bah ouais. C'est 3, pas mal. 3 de plus. C'est pas mal. Des souvenirs qui reviennent, des PTSD qui reviennent. Je suis à 11. Ils ont 14-16. Avec 11 avec le linceul Ah oui non, il y a le linceul, donc je suis à 12 avec le linceul, j'avais déjà pris un dégât, c'est vrai. Donc 12, 14, 16, bon ça reste gérable. Ça meurt, relance, j'ai un motivant. Eh bah ça meurt. Tout à fait. Hop. Tac. Et c'est ton premier sang je crois. Donc étant donné que j'ai ébranlé, sa horde va continuer à être gênée, ça, ça m'arrange plutôt bien. Bah oui, tu m'étonnes que ça t'arrange. Donc je vais pouvoir me retourner par là. Tu vas te retourner par ici pour faire face potentiellement à mes volants. Tout à fait. Bah, ton volant, puisque celui-là ne me voit pas. Oui, celui-ci, tu dois pas être dans l'arc avant. Ouais. Et ceux-là, il faut me tourner dans l'autre sens pour faire face à ton régiment à gauche et de même ici. Ok. C'est vraiment tout bénef pour toi. Écoute, ça me va. Ça te va ? Ça me va. Ah bah, ensuite, très bien. Ici. Donc j'ai un peu plus peur au niveau des dégâts, donc 20 attaques gênées, elle aussi. Donc 20 attaques sur du 4. Puis du 4 aussi, puisque j'ai la mélopée. T'as la mélopée, oui, c'est vrai. 4 plus, 4 plus. C'est une stack de 5 dégâts normalement. Tout à fait. Ouais, t'as l'air pas trop mal parti pour le moment. Je pense que je suis à peu près proche de la stack. Ouais. Donc sur du 4 à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5. Bah t'es pile stat. Sur la stat avec le 6 du linceul. Oui, donc je suis à 6 dégâts, effectivement, et rien d'os de morale. Donc 6, relancer 6, je suppose. Oui, il y a le dragon qui m'active. Ça me relance. Ouais, ça va, ça, je t'en sors pas mal. Hein. Hop, oui. Ça meurt aussi. Et là, je suis embêté, parce qu'effectivement, j'ai mis mon sorcier trop près, donc je ne peux pas me retourner. Pas te retourner. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Bon, on va continuer sur ton dragon. On sait jamais, on a réussi à clouer une manticore, pourquoi pas un dragon. Je vais commencer par Motibusu. Ouais. Donc sur du 3. Ouais, j'ai défense 5. Et bah, tu me fais 2 dégâts, c'est ça? C'est pas mal. Tout à fait.
La cavalerie, c'est 18 attaques. La cavalerie, c'est 18 attaques. Sur du 3 Sur du 3, puis du 4, puisque je n'ai plus la force. J'ai plus la fracassante, tout à fait. C'est pas un mauvais jet, ça. C'est un bon jet, c'est un très bon jet. Sur du 4. Donc ça fait 7 ça dégâts. Oui. 7 plus 2, on est à 9. Si tu veux me faire des jets de morale un peu moins bons que les autres précédents, ce serait bien. Statistiquement, tu es censé faire des mauvais jets, non? 9 plus 9. 18. 18. Et il doit être 17-19, je crois, de morale. Je pense que... Faut que je vérifie. 17-19. Sachant que j'ai Brutal D3. Ah, t'as Brutal D3. Donc, excuse-moi, Brutal 2, du coup. Du coup, t'avais fait combien? 9. On était à 20. On est à 20, on 9 relance. Dégâts, donc, 9 dégâts, 9 et Brutal 2. Il faut que tu relances. Donc là, donc on est à 9 dégâts plus Brutal 2. Donc je suis à 11 plus 8, 19. Mais il meurt? Tout à fait. Et ben, ça m'arrange pas, ça. Non, je... Ah, tes jets de morale sont... Je suis désolé de te refaire une Arthur. Tes jets de morale sont pas mauvais, on va pas se mentir. Ça m'arrange pas du tout pour le coup. Ah, je peux comprendre. Ben ici, je vais me retourner. Ouais, pour que je sois de face. Ok. Oui. Ça paraît de l'entrave. Ça paraît tout à fait logique. Ensuite. D'ailleurs, non, je vais peut-être me retourner juste comme ça. Ok. Je vérifie quelque chose pour que avoir lui de face également. Vu qu'il est indépendant, il peut se retourner et il pourrait pas. Bah, tu pourras difficilement l'empêcher. Je vais plutôt rester comme ça. Ça c'est me paraît bien. Compliqué. On va faire comme ça. Ensuite, on va passer sur le puits des âmes, voir de combien il se soigne. Tu as de la régène, le puits des âmes, c'est ça? Il a drain de vie 5. Donc ah oui, donc faut 5 dégâts, d'abord, tu fais l'attaque. Ok, ça y est, j'ai compris. Alors, ça tape sur du 4, c'est ça? Ça tape sur du 4. Tout terrain, mais la question ne se posait pas. Non. C'est un bon 4. J'ai défense 4. Donc, ça va être sur du 2. Je te mets 6 dégâts. 6 dégâts. Donc je me soigne de 5. Ok. Et j'ai 15 de morale. Rien 15. C'est des berserks. Donc pour le moral. 8 et 6. 14. Donc rien. À un prêt. Ouf. À un prêt. Pas motivé en plus. Donc ouais, être... bah c'est les seuls qui sont pas motivés sur la table. Et ah non, il y a ceux-là aussi qui sont motivés. Hop. Ensuite, ma cavalerie. Qui n'est pas gêné parce que j'utilisais les bottes de Sir Kess. Donc 18 attaques. Tout à fait, sur du 3. Sur du 3. Et sur du 3 ensuite. Défense 5. 1, 2, 3, 4, 5 dégâts. 5 dégâts. Et les gargouilles gênées elles également. Elles sont gênées. Donc sur du 5. Tout à fait, donc 3 touches. Et sur du 5 à nouveau. Et bah rien du tout. Rien du tout. Et bah... Si t'as un petit jet de morale à faire, c'est celui-ci. Plutôt que de m'en faire que des bons là depuis le début là. Sois gentil. Non, bah non, décidément. Non mais j'aime bien t'aider, je pense que je vais repartir avec une. Ouais. Avec une vingtaine de TD, s'il te plaît. Et bah, très bien. Tout. C'est ça. Tu fais une refaux peut-être? Ouais, je vais avancer les deux. Je vais commencer par. De toute façon, c'est pas gêné. Je vais commencer par la cavalerie. Donc, je vais avancer de 5. Et les gargouilles, je vais avancer de 6. Ok. Eh bien, c'est la fin de mon tour 3. Tu scores rien de particulier pour le moment, on est d'accord? Non, bah, je vais continuer de tenir ici parce que je suis toujours à moins de 3 pas. Ouais. Ici, alors c'est possible aussi, mais je pense que de toute façon, tu es encore un peu loin. C'est possible. Mais je le tiens encore. Tu le tiens encore, oui, tout à fait. Ici, tu le tiens. Oui. Le centre, ce n'est qu'à la fin, donc on en reste là. Ok. Eh bien, vu la chance au jet de dés de mon adversaire, hein, pour changer... Non, ça va, en vrai, c'est rien de dramatique. Parce qu'à Kings of War, même si, comme c'est un jeu où c'est vraiment... Il y en a un qui joue toute la partie, enfin, tout son tour, l'autre joue tout son tour. Généralement, à chaque fin de tour, des fois, on a l'impression de se faire très très mal. Oui, c'est mais, tout bien d'un coup. Mais ça peut se rattraper, ça peut se rattraper. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? Ici, j'ai pris la séductrice en sandwich entre mes deux lance-fous sur Manticore. Ce qu'on appelle un samedi soir. C'est ça, effectivement.
J'ai décalé un tout petit peu ma horde sur le côté, de façon à ce que mon sanctuaire Forge Foudre puisse aller charger sur le flanc ici les succubes. Tout à fait. Les succubes, tout à fait. Là, mon volant ici, il est venu impacter sous cet objectif-là et être à portée de 20 pouces aussi de celui-ci et de potentiellement de charger un peu partout. Bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ici, j'ai chargé le flanc des succubes avec mes légionnaires faille forgée qui sont partis du couvert là, donc ils auront un malus. Il y a Tonard qui est venu les aider aussi, qui est venu ici. Là, ce régiment-là est allé charger Bachibouzouk, c'est ça tu l'appelles ? Oui, Motibouzouk. Bachibouzouk pour les anciens. Voilà, en espérant, si jamais j'arrive à le tuer, ce qui est bien, c'est que je peux après aller impacter, je peux comme ça un indépendant, je peux avancer et impacter sa cavalerie derrière si je tue. Faut que je le tue. Il a quand même toujours son entrave. Bon. Ici, j'avais la possibilité soit de contrecharger le puits des âmes qui a 5 de défense, 20 de morale. Tout à fait, tirer 20 de morale, donc inébranlable. J'ai aucune chance de lui faire des dégâts. En plus, il régène. Enfin, j'ai beaucoup de chance de le tuer. En plus, il régène. Donc, j'ai préféré me désengager et reculer pour le plus possible l'éloigner ici. Alors, bon, c'est pas extraordinaire comme move, mais on va voir. J'aurais pu aussi juste reculer d'un pouce et me slider. Ça aurait pu être aussi intéressant, mais bon. Je fais ça comme ça pour l'occuper un petit peu et puis voir ce que ça donne. Après, il a qu'à pivoter ça, aller par ici, il peut faire plein de choses, mais bon. On va le tenter comme ça, on va voir ce qui va se passer, et puis voilà. J'ai pas de tir cette fois-ci, puisque mon lanceur de sort est au corps à corps. Donc on va pouvoir passer directement à la phase de corps à corps. Et sur cette phase de corps à corps, je vais commencer par me débarrasser de cette séductrice. Parce qu'il y en a un petit peu ras-le-bol. Alors, c'est pas gagné encore, hein, c'est pas gagné. On va faire celui qui est de face. Donc entrave. Entrave, donc sur du 4. Voilà, force 2, donc c'est sur du 2. Tout à fait. Je te fais 3 dégâts. J'ai drain de vie 1, donc je récupère 1 PV. Hop, je passe à 3 dégâts. Donc je t'ai fait 3, c'est ça ? Celui qui est derrière, 5 attaques, il n'y a pas entrave, donc c'est sur du 3, forcément. Sur du 2 à nouveau, 3 dégâts aussi. Donc on est à 6 dégâts, elle avait déjà 8, pris 1, on est à 7. Tout à fait. Plus le brutal, ça compte pour 8. Donc 3 ébranlés. Ça meurt. 8, ça meurt. Ça meurt. 8, enfin. Il était temps. Il était temps. Au niveau de la reformation, ça, on va le pivoter comme ceci. Et puis, celui-ci, on va le laisser comme il est. On va l'avancer d'un des 6. Mais je pense qu'au maximum, ça l'amène ici parce qu'il contacte là. Voilà, on fait ça comme ça. Ok. Enfin, tiens, récupère ton point de dégâts aussi. Hop. Autre corps à corps. Dans l'ordre, on va faire celui-ci. Très bien. Donc, de base, j'ai 8 attaques. Je suis sur ton flanc, donc ça nous fait 16 attaques. 16 attaques qui seront sur du 4, puisque je touche sur du 4. Et l'entrave n'est que de face. Oui. Bon, heureusement, je ne pourrais pas entrave non plus. C'est pas mal, ça. C'est très très bon, même. C'est pas mal, ça. C'est vrai que ces dés ici sont... Ça dépend. Bien, hein. Ça dépend. Ouais. Hein. C'est vrai que j'ai fait 4 as sur 6 dés tout à l'heure. Ta défense 3. Défense 3, j'ai force 1. Donc c'est sur du 2. C'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dégâts. Mm. Tu as un moral de 14-16 ? Tout à fait. 8 et 5, ça fera pas grand-chose. 13, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Bon, au moins, je les ai tapés. On va continuer. On va faire ensuite ce régiment-là qui est de flanc ici. Tout à fait. 12 attaques de base, donc on passe à 24 attaques qui seront engênées donc sur du 4. Ça risque d'être plus compliqué quand même. 16, 20... 24. 24 attaques sur du 4. Bah, statistiquement, elle a plus de chance. Elle a plus de mourir. C'est plus compliqué. Là. Pour moi. Pour toi, oui. Hop. Donc sur du 4. C'est un 4, ça. Hop. On est pas trop mal pour le moment. On est plutôt stat. On est sur du 2 encore parce que c'est force 1. Oups là. Il y a un dé qui est parti. Rajoute ça. Tac, on va le remettre.
Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Déjà, 10 dégâts. La première moitié. Non, non, c'était les 24. C'était les 24, okay. Ouais. Et ensuite, les 6 attaques de Tonard. Sur du 3, Tonard. Sur du 4, du coup. Et sur du 2, 2 de plus. Donc, je t'ai fait... 8 et 8 de 10. Et de 10. C'est pas ouf. Ça meurt pas forcément. 10, c'est branlé. Et branlé. Sauf s'il y a un brutal. Il n'y a pas de brutal. Ah, c'est pas extraordinaire en général. Non, c'était pas terrible, je suis d'accord. C'est pas TG à toi. J'ai plus de veines que toi. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je viens ici, c'est ce qui se passe. Alors ensuite, on va passer aux autres légionnaires qui vont taper sur Shibuzouk, on va l'appeler comme ça. On est à 12 attaques sur du 3, sur du 4. Sur du 4, sur du 4. La prochaine fois que je viens jouer ici, s'il est en trave, je viens pas. J'en passe 5. Ta défense combien? 4. Donc sur du 3. 3 dégâts. T'as pas été vénard. Tu devais en faire 4. T'es à 5. Sur 14-16. 14-16 je croyais que tu m'avais dit 12-14, mais c'était l'autre là-bas. Non, 12-14, c'est moi qui me suis dit 11-13 et 12-14. C'est celui-là. 7. 7 et 5, 12. Allez, branlé. Et branlé. Mais Fury. Bon, Fury. Ah ouais, mais je peux pas aller. J'avais prévu d'aller charger le. Oui, tu peux pas charger le volant, c'est déjà ça. Mais bon, c'est quand même pas une super opération pour moi, parce qu'il n'y a aucune de mes charges à part sur la succube qui a fonctionné. Si du coup, ça va être un peu compliqué. Ça va être compliqué. Je te l'accorde que c'est pas simple. Bon, j'ai encore des choses qui peuvent s'amuser un petit peu, mais c'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. Bon, bah, fin de mon tour, et puis début de ton tour 4, Clément. Tout à fait. Et là, je score rien puisque je suis à portée de ça, mais il y a d'autres unités qui font plus de puissance d'unités que moi à portée, donc je ne l'ai pas. Donc j'ai presque fini le mouvement de mon tour 4. Il y a juste un petit point sur lequel on a un petit problème, c'est que on ne sait pas si je suis de face ou de flanc sur le régiment. Parce que le coin de mon unité tombe pile sur son centre. C'est ça. Du coup, bah là, on va le jouer au jet de dés. On va le jouer au dé. Donc 1, 2, 3, je suis de face. 4, 5, 6, je suis de flanc. Et bien, tu es de flanc. Je suis de flanc, donc je vais faire une double charge. Puisque Motibusu. Elle est à la Fury. Elle a ébranlé, mais à la Fury. Hop. Ok, ça marche. Donc voilà. Donc pour le reste des mouvements, j'ai contrechargé ici et j'ai chargé avec Chronéas sur le côté. Donc contrechargé, je ne serai pas gêné. Ici, j'ai contrechargé. J'ai amené mon sorcier derrière en soutien. Et j'ai retourné ce régiment de succubes afin d'attendre le régiment, la horde d'infanterie. De Julien. Tout à fait. De ce côté-ci, j'ai fait une triple charge. Rien de spécial à ajouter. Ça risque de mal se passer. Normalement. Sauf sur un double as. Ça me paraît compliqué pour qu'il survive, effectivement. Pour le tir, donc je vais lancer Terre Brûlée. Oui. Terre Brûlée qui est un sort. S'il touche, j'aurai moins 1 pour toucher. C'est ça. Je serai en charge gênée. Tout à fait. Donc 2 dés. Donc je vois 2D. Au-dessus de ton... il la lance sur ma horde qui est ici, bien évidemment, puisqu'il a envie de l'embêter le plus possible, ce que je comprends tout à fait. C'est ça. Donc ta machine, alors elle est plus grande dans la vraie vie que dans le jeu, puisqu'elle n'est qu'à hauteur 4. Oui. Tes régiments ils sont hauteur 5 avec, la colline, donc ils me voient sans problème. Voilà. Il n'y a pas de malus sur le sort, je pense, à la touche. Non, il n'y a pas de malus. Ok. Bah, sur du 4, alors. Et c'est ça. Il paraît qu'il y a un bonus si on chante la chanson. Vas-y. Les terres brûlées du Colémara. Vas-y. Non, peut-être pas. Ah si, ça marche. Ça passe. Ok, donc j'aurai un malus sur cette unité-là. Fort bien. C'est ça. Donc le malus, ça sera charge gênée, donc moins 1 pour toucher. Ok. Éventuellement plus de fracassante, ce qui n'est pas là. Mais entre la charge gênée à moins 1 et l'entrave à moins 1, ça commence à faire beaucoup. Ça me fait toucher sur du 5. Ça commence à être embêtant. Tout à fait. Donc voilà pour ma phase de tir. Donc on va passer au corps à corps. Donc on va commencer. Alors j'ai pas de corps à corps contre des motivants, donc c'est mal. Mais il y a d'autres motivants autour. Mon titan est motivant, mais il y a d'autres motivants autour, donc ça a assez peu d'intérêt. À noter qu'il y a eu aussi le linceul de mort autour des unités. Oui, autour on du a rajouté un dégât à 6 pouces autour du Chronos. Ouais. Donc on va commencer par ta machine. Ok. Donc 20. Ok. Attaques. 20 attaques sur du 3. Tout à fait. Défense 5, ma machine. Et à la 1, morale de rien 17. Donc du 3, hop, c'est un bon 3. C'est un bon 3. Et ensuite sur du 5.
C'est moins bien, mais bon, ça fait 3 dégâts, c'est vraiment moins bien. 3 dégâts. Bah, le jet de morale ne sert à rien, parce que je suis inébranlable, donc même sur un 12, elle survit. C'est pas top. Elle avait pris 1, ceci dit, déjà. Donc elle passe à 4 dégâts. Ça n'aurait pas suffi dans tous les cas. Bien, ce n'est pas grave. On va continuer donc, sur le régiment de succubes à côté, avec le Chronéas. Ok. Donc les succubes. 20 attaques également, sur du 3 parce que c'est de la contre-attaque. Les dés t'abandonnent un petit peu, ouais. Mais bon, t'as le fond du Chronéas derrière. C'est ça, on va espérer que. Normalement, ça devrait bien se passer pour toi. La défense 5. Donc sur du 5, tu me fais 3 dégâts. Tout à fait. Ils avaient déjà pris 2, donc ils sont déjà à 5. Le Chronéas, c'est 1 D6 plus 6. Et bah, décidément. Il est très motivé aujourd'hui, c'est rarement aussi bien. Il faut le dire si c'est juste pour moi que tu fais des bons jets de dés. C'est très non, mais je pense que je vais repartir avec les dés francs. Bah, pas moi. Alors, sûr, non. Donc, sur du 3. Ah, quand même. C'est pas top. Hein. Ouais, mais ça rééquipe ta stat. Ah, ouais. Donc, sur du 2. Sur du 2. 2 de plus, je passe à 7 dégâts. Bon, il faut juste que je fasse les jets de morale tout à l'heure. Ah, ça, tu vas peut-être faire des mauvais jets de morale à un moment ou à un autre quand même. 7 dégâts, c'est ça? Ouais, ouais, j'ai pris 7, ouais. Allez. 7 et 7 et 6, 13. Et bah ça tient, c'est 14, 16 de morale. Tristesse. Ah, bah ça c'est bien ça. Un truc qui se passe bien pour moi. Cool. Il a fait 2 dégâts le Chronéas, donc il peut même pas soigner les 3. Il va les soigner ici. Ah, c'est vrai qu'il soigne autour lui. Tout à fait. Il a un drain de vie, c'est ça? Ça s'appelle rupture temporelle. Oui. Et c'est une sorte de drain de vie, mais pour les copains. Il ne peut pas le mettre sur son. Ouais. C'est une vraie chienlit, comme on dit. Je pars chez moi. Ah, c'est. Moi, j'aime bien. Je comprends. Donc, pour la suite, on va faire la cavalerie. La cavalerie. Qui est sur un flanc. On est à 36 attaques. 3 voilà. Plus, 3 on va plus. Tout lancer en même temps, c'est plus rigolo. Je suis pas sûr que t'es 36. T'as pas 30 dés. Combien t'as de dés, tu sais, blanc? Non. Je sais pas. On va regarder. Ah ouais. Là, je suis à 20. 5. Je crois si c'est bon. Ouais, quoique. On va reprendre un petit dans la boîte bleue. Il y en a pile 36. Il y en a pile 36. C'est beau. C'est pas beau, ça. Bon. 36 attaques. 36 attaques. Sur du 3. 3 plus, 3 plus. Plus du 3. Ça devrait bien se passer pour toi, normalement. Bon, je vais la rajouter après. Attends, je vais déjà retirer. Ouais, ça. Vas-y, retire déjà. Hop. Pas taper la caméra. Hop là. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, ça. Et c'est sur du 3. Bon, c'est pas mal. Ça fait beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Veux-tu que je fasse des dégâts de motif bouffou? Bah, fais ton jeu de morale. Fais ton jeu de morale. J'ai 14, 16 de morale. Et j'ai brutal des 3. T'as brutal des 3, ouais. Et bah, ça tombe, relance. Ça tombe. Dans tous les cas, ça tombe. Hop là. Avec ma cavalerie, je vais me décaler d'un des 3 sur la droite. Pour essayer de réimpacter l'objectif. L'objectif. Ça fera 1. Ah. Je pense que c'est suffisant. Je sais pas. Ici ? Voici. Tout à fait. Bon là. Ouais, c'est compliqué. Alors je vais commencer par le puits des âmes parce qu'il se soigne quand il tape. Ouais. Il est motivé en plus. En plus. Défense à 4, donc sur du 2, ça fait 7 dégâts. 7, ils avaient déjà pris 6. Donc ils se soignent complètement. On est déjà à 13, ils ont 15 de morale, fais tout de suite le doublas. Voilà. Et ben voilà, doublas. C'est parfait ça. Est-ce que je fais les dégâts du coup pour voir à quel point je te dévaste? Dans tous les cas, il faut que tu me fasses seulement 2 dégâts pour que je sois dévasté. Je suis d'accord. Donc statistiquement, tu les fais forcément. On considère que c'est dévasté. Okay. Donc dévasté, si je dépasse mon seuil de morale mais que je survis, j'aurai la moitié de mes attaques. Fort bien, donc on va continuer sur ce régiment. Mm-hmm. Non, bah non, il est déjà fait. Non, il est déjà fait. Tout est fait. Tout est fait. Et c'est à moi. Tout à fait, eh bien je te laisse commencer ton tour 4. Eh bien très bien.
Mouvement sur mon tour 4. Et ce petit doublas ici, ma foi, m'a bien relancé. D'autant plus qu'il est arrivé au moment où tu te disais que tu allais repartir avec les dés. Et je trouve que c'est un très bon timing, ma foi. Bon, le doublas m'a relancé. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contrechargé les gargouilles, parce que les gargouilles, j'ai une chance de les tuer. Même si j'ai la moitié de mes attaques, comme c'est pas très très fort, au moins je peux potentiellement lui faire quelque chose de mal. Qu'est-ce qu'on a fait? On avait le lance-foudre là, qui est volant, ici, qui est venu, hop, pour aller se positionner ici. Il n'impacte pas le score là, mais il se positionne de façon à pouvoir le faire à terme, enfin l'objectif, pardon. Les deux qui étaient ici sont venus par-dessus et se sont positionnés de façon à pouvoir contrôler l'objectif, parce qu'ils ont chacun un de puissance d'unité et qu'en face, on avait regardé au préalable, il n'y a que lui qui contrôle chez toi, donc, qui conteste. Donc logiquement, j'aurai le pion à la fin de mon tour. Là, on a contrechargé et chargé avec ça en plus l'unité qui se trouve ici. Donc j'aurai le malus, bien évidemment, à cause de son sort, plus l'entrave. Donc ça me fait quand même toucher sur du 5. Mais bon, j'espère qu'avec les deux, je vais peut-être pouvoir essayer de le tuer. Ce serait pas mal, ça m'arrangerait quand même. Ici, on a contrechargé les succubes parce qu'elles ont déjà pris des dégâts et qu'il y a quand même des chances qu'on les tombe. Tonar, il est venu charger Bashibuzouk parce qu'il avait déjà pris 5 dégâts, bon, même avec l'entrave. Mais c'est quand même tentant. Et puis au moins, ça t'obligera à choisir entre Tonar ou ça après. Donc voilà, on va le tenter comme ça. Et avec un peu de chance, je peux même te le tuer et venir contacter ici. Bon, c'est voilà, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, mais bon. J'ai pas de tir, on va donc passer tout de suite à la phase de corps à corps, et on va commencer par ici. On va commencer par les 10 attaques des berserks. Je t'en prie. Donc la moitié de leurs attaques, c'est 10 attaques, ça touche sur du 3. Hop, tu as défense 3, j'ai force 1, donc c'est sur du 2. Et bien ça va faire 6 dégâts. 6 dégâts et tu as 8, 10, donc ça tue. 6 et 6, 12, je relance ta moitié. Tout à fait, il n'y a plus des âmes. 6 et 5. 11, ça meurt aussi. Ça meurt aussi, c'est bien. Ça me plaît. Pourquoi tu fais ça? Ça me plaît. Et bien, du coup, dans tous les cas, ils sont morts au tour d'après. Donc l'idée. Un doublas, c'est toujours possible. Un doublas, c'est toujours possible, mais ça sert. Que je sois de face ou de flanc, ça ne va pas changer grand chose. C'est vrai. On va pas se mentir. Du coup, toujours dans l'idée d'essayer de l'éloigner, je vais m'avancer d'un des 6. Ah. Je slide un des 3. Je slide sur le côté d'un des 3. Quoique, ça t'oblige à le gérer dans tous les cas. J'essaie de réfléchir à un truc. Parce que si je me tourne pas face à lui, il peut se tourner. Non, je vais lui faire face. Je vais lui faire face. Pour vraiment l'obliger à achever cette unité-là et occuper ses unités adverses. Enfin, occuper les unités adverses. On va continuer dans ce sens-là. On va aller taper ici ton Bashibuzouk. J'aime bien comment tu l'appelles, Bashibuzouk. 6 attaques qui passent sur du 4 à cause de l'entrave. Ça en passe 3. Force 2. Donc sur du 2. Je peux en rater une. 3 dégâts. Bien compliqué. Tu passes à 8. Donc sur du 12-14. 8. 8 et 7, 15. Ça meurt. Ça... 8 et 7, 15, ça meurt. Je vais donc avancer d'un des 6 pour essayer de contacter, comme c'est indépendant, je peux faire ça, de contacter sa cavalerie. J'avance de 6, je la contacte. D'ailleurs, j'ai pas doublé les 5 et les 6 avec Tonar, j'ai pas pensé, mais c'est pas grave, c'était pas nécessaire. Je vérifie après, je crois qu'il a drain de vie, mais j'en suis pas sûr. Mais on vérifiera ça après. On va se taper sur la cavalerie. 6 attaques. Donc là, je ne suis plus gêné. Non. Donc c'est sur du 3. Oui, non, t'as pas d'entrave. J'ai pas d'entrave, mais je suis toujours gêné alors. T'avais une charge gênée? Ouais. Non, j'avais pas de charge gênée, t'as raison. Non, j'ai pas de charge gênée. Je double les 5. Je sais plus. Je double les 5. C'est son truc spécial. Ta défense 5. On est à force 2. Donc on est sur du 3. Et ça te fait 2 dégâts. Et ma foi, c'est pas mal parce que ça va l'embêter un petit peu. Ça va bien m'embêter. Oui. Je te fais un jet de morale, on sait jamais. Non, ça ne suffira pas. On va continuer dans l'ordre ici. On va faire la charge sur les succubes. Enfin, la charge, la contre-charge, pardon. Donc, on est à 12 attaques. 10, 11, 12. Sur du 4, parce que tu as toujours ton entrave. C'est pas trop mal. Il faut que j'arrête de faire tomber les dés. Moi, ce serait pas mal aussi. Hop. Il n'y a pas de pression. Sur du 2, parce que tu as 3 de défense.
c'est bien. 1, 2, 3, je t'en mets 6 de plus. Ils sont à 16. On est sur un double as. Mais c'est toujours possible, un double as. Non. Pas de ça chez nous, alors. Voilà. Bon, c'est pas maintenant qu'il fallait que je fasse des gros jets de morale, mais bon, ils sont faits quand même. Ce qu'on va faire en reformation, c'est qu'on va faire face au Chronéas. Est-ce qu'on le met comme ça? Ou est-ce qu'on le met comme ça? On va le mettre comme ça. Hop. Tac. Ensuite, on va faire la double charge ici. On va commencer par le sanctuaire Forge Foudre. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 attaques donc sur du 5, parce que j'ai du 4 de base. Je suis en train de réfléchir si ça leur fait la même stat. Non, parce que je tape sur du 4 avec la... Ouais, non. Attends. Non, j'ai le sort plus son entrave. Ouais. Donc les deux vont taper sur du 5. Ok, bah tu peux lancer tous les dés. Ça fera la même force. Stat. Ouais, de toute façon, ils sont sur de plus derrière. Alors, on est à 25 d'un côté. On est à 25 d'un côté et 8 de l'autre. Hop. On va tout faire en même temps. Pas facile de tourner d'une seule main ici. Hein. Tac. On est donc sur du 5. J'ai l'impression que c'est un beau 5. C'est un beau 5, ouais. Après, ils avaient déjà pris quelques dégâts. Ils ont pris 6, c'est ça déjà? Je les avais soignés. Donc ils étaient à 8, je les avais soignés. C'est 6. Un beau 5. C'est un beau 5. C'est un beau 5. Et ça va être sur du 2 à nouveau. Il reste un 4. Ça va être sur du 2 à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ils se reprennent 12 dégâts de plus, donc on est sur un double as ou rien. C'est toujours possible de faire un double as? Non. Moi, c'est 3 11 d'affilée, quand même. Voilà. Ça fait 4 11 d'affilée. Ça fait 4 11 d'affilée, mais c'était pas le moment de les faire. C'était avant que je les fasse. Ouais. Ça meurt. Alors, je vais bouger lui un peu pour le retirer. Ça meurt, ça meurt. Mais c'est pas si mal que ça, ma foi, tout ça. Alors, je suis embêté. T'es embêté, hein. Alors, ça, on va l'orienter. Est-ce qu'on l'oriente comme ceci? Je regarde ce que ça donne. Non, on ne va pas l'orienter comme ceci. Quoique, parce que ça va arriver là. On va me l'achever avec ça. Ouais, on va tourner ça comme ça, et puis ça, on va le laisser là. J'ai pas grand-chose que je peux faire de plus avec ça. Je vais juste vérifier quelque chose. Est-ce que ça peut avoir un intérêt de le reculer pour me faire une ligne de vue là-dessus? Ça fait taille 5, tu m'as dit ça. Hein. Ça peut avoir un intérêt en vrai. Et ça m'éloigne un petit peu d'ici. J'hésite. J'hésite. Je vais... Je vais reculer l'un des trois quand même. Hop, je recule de 3. Je te prends ça. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me laisse potentiellement plus de mobilité sur le tour d'après. Que là, je suis vraiment coincé face à son unité. On sait pas. Voilà. Je sais pas si je vais réussir à le. Un peu plus par là. Si vous... Ouais, un peu plus en face. Voilà. Hop, il avait tourné. J'aurais un peu plus d'options, peut-être, c'est pas, je sais pas, je, bon, on verra, je sais pas si c'était la meilleure des idées, mais bon. J'ai tout fait. Ma foi, c'est pas si mal. Ça me va bien, c'est la fin de mon tour 4, et c'est le début de ton tour 5. Au niveau objet, fin de mon tour 4, je contrôle celui-ci. Hop, donc ça me fait 2 points. Et si on fait un point objectif, pour le moment, j'ai 2 points et tu as 2 points. Tout à fait. Il y a après le contrôle au milieu que tu as pour l'instant. Que j'ai pour l'instant. Oui, ouais, ça se discute, mais bon. Ça se discute, mais bon. On verra tour 6. On verra tour 6, oui, tout à fait. Eh bien, à toi, mon cher. Très bien. Donc, pour mon tour 5, en phase de mouvement, donc, j'ai profité d'une erreur de mon adversaire, ici, où il m'a présenté son dos. Il était dans mon arc avant, je le voyais, donc j'ai préféré charger de dos. Ça me rapproche de l'objectif. Donc je suis désolé, mais. Ah non, mais c'était un très, très mauvais move de ma part, effectivement. J'ai joué trop vite, j'ai pas réfléchi et ça te donne le dos de mon truc. Quoi. Effectivement. Donc bon, on verra le résultat. Je vais regarder si avec une rotation je peux mettre un moins de 3 passes qui me permettra de le prendre, parce qu'il n'aura pas d'unité qui le contrôlera. Eh oui. Par contre, je risque de perdre mon régiment à une charge de flanc si je fais ça, mais j'aurai un objet. T'auras un objet, tu me tues un gros truc, ça peut être rentable. Il ne restera plus qu'à contrôler le centre. Oui. On verra.
J'ai mis le sorcier ici, caché des volants. Le but étant de relancer le sort de terre brûlée, parce que bah, il faut mettre toutes les chances de son côté. Le Chronéas continue de taper sur ce régiment ici. On peut espérer qu'il les tombe. Il y a eu le linceul de mort, donc tout le monde a pris un dégât autour du Chroné, grâce au Chronéas. J'ai ramené plus des âmes ici pour apporter du motivant. Sur ce régiment de cavalerie, sur le Chronéas, même si c'est redondant, mais j'en ai moins besoin ici, puisque l'unité est dévastée. Allez, tu peux faire un doublas encore. Hein. On peut refaire un doublas. Tout à fait. Et j'ai contrechargé ici l'indépendant. Oui, Tonard. Dans le but de le tuer et de me reformer, parce que sinon je prends une charge de flanc. Et c'était la meilleure option que j'avais à faire. Bah, t'avais pas trop de choix de toute façon, là, effectivement. C'est ça. Par contre, ils ont régénération et on va lancer les 2 dés. Ça en régène une. Ça en régène 1. On a fait le linceul de mort aussi, bien évidemment, du Chronéas. Hein, donc j'ai pris un dégât ici, un ici et un ici. Et maintenant, les terres brûlées du Connemara. Sur la horde. Sur la horde. Qui passe encore. Ça passe. Décidément. J'ai plus de veines ce week-end-ci sur mes sorts. qu'en tournoi, ouais. Ouais. Ah ça. Et donc, corps à corps, eh ben, on va commencer par la charge de dos. Vas-y. Donc 60 attaques. Sur du 3. Et après, on va les faire sur en 2x30. Je vais les faire par 20 parce que j'ai des petites mains. Hop. Bon, il a déjà pris 5. Ouais. C'est ça, on va compter sur la chance. Pris 5. Alors, 60 attaques, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, 60 attaques. On va pas se mentir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ça fait déjà beaucoup. Sur le premier tir. Oui, il en reste encore. Ouais. Trois de plus. On est à 14. Rien 17 de morale. On est déjà sur un double as techniquement. Bah non, il a rien 17. 14 plus 2, ça fait 16, 14 plus 3. Ah oui, c'est vrai. T'as raison. Oui. On est déjà sur un double as. Oui. C'est vrai qu'on a tendance à faire moins 2, non. Bah oui, non, ça fonctionne pas comme ça. Et bah 2, voilà, 3, là il est 4, 5, 6. Il est complètement cramé. Donc double as sur rien. Il relance parce qu'il est motivant, on sait jamais. Non, cette fois-ci il tombe. Tac. Ouais, ça c'était une erreur un peu bête de ma part, on va pas se mentir. Alors je suis à combien? Sachant que je suis collé à toi normalement. Ouais, t'es censé être collé. Je pense que ça passe. Oh, si tu te tournes, oui, ça passe. Oui, je pense. Ouais. Ça passe. Vas-y, fais-le. Tu veux que je tiens mon truc. Oh, c'est la colline qui se barre. Est-ce que ça fait quelque chose comme ça? Ça doit faire quelque chose comme ça. Hop. Mais t'es à 3 pouces. T'es à 3 pouces. Et, ouais, et mon régiment, il n'y est pas de toute façon. Puis il va sûrement tomber. Donc ouais, tu contrôles. C'est ça. Bon, je vais me prendre une charge de flanc, mais je préfère avoir l'objectif ici. Assurer l'objectif. Et c'est pas impossible que tu sois. De toute façon, t'es gêné parce que je t'ai mis les terres brûlées, donc. Oui, dans tous les cas, je suis gêné. Ça ne changera rien. Ça ne change rien. Très bien. Ici, j'étais un peu plus comme ça, ça a bougé parce que j'étais aligné sur eux. Voici. Le Chronéas maintenant. Oui. Donc un des 6 plus 6. Un petit 6. Est-ce qu'on fait un 6? Non. Non. 8. Ouais, mais ça va être suffisant, je pense. Ils ont déjà pris 6, 7, 8. Ouais. De toute façon, ils peuvent faire que plus de dégâts, je pense, parce que tout à l'heure. Oui, oui. C'est déjà beaucoup plus de touches. C'est déjà beaucoup plus de touches. Sur du 2 après, c'est ça? Oui. Ta force 3. Rushing 3. Et bien, tu m'en rajoutes 4. Ouais. 4, je suis. C'est poussif, à... mais. À 12. Ouais, je suis à 12. Pour du 14, 16. Ah, ouais. Ça peut tenir. 8. J'ai un motivant, relance. 6. Ça meurt. 12 plus 6, ça meurt. 18. Hop là. Hop. Au revoir. Eh bien, ici, je vais me retourner assis. Ok. Le but étant de ne pas te faire charger de flanc par un volant. Par un volant, et puis éventuellement de revenir par là. Oui, tout à fait. Sur un volant.
Tout à fait. Donc je fais quelques mesures encore. C'est pas clair. Non. Non, bah je vais accepter qu'un des deux volants me prenne de fond. Parce que pour tuer le Chronéas, faut quand même y aller. Faut quand même y aller, ça me fera que 10 attaques, ça me paraît compliqué quand même, on va pas se mentir. Ça me paraît très difficile. Je suis de face sur celui-là, de flanc sur celui-là. Uh-huh. Et j'ai des vues ici. J'aime bien l'idée. Voilà. Maintenant la cavalerie. Oui. 18 attaques sur du 3. T'as pas eu ta charge fracassante, donc 3 plus. 4 plus. 3, 5. Oui, très bien. Et j'ai déjà pris un dégât. Hop. Le 3 plus est bon. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Et 4 plus. Ce serait bien qu'il soit pas bien. Sois sympa avec moi. Écoute, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, je passe à 8. 8, et il a 14, 16 de morale, Tonard. 8 et 6, 14. Ébranlé. Il n'a pas furie. Pense à lui mettre les dégâts quand on aura le temps. Oui, t'as raison, je les ai rangés en plus. Raté. Je voulais essayer de te gruger, ça n'a pas marché. Il n'y a pas de problème. 6, 7, 8. Ok, bah. Hop. On va espérer que ça survive de tête charge, mais on verra. Pas de donner. T'as ça aussi à finir. Tout à fait. Est-ce que je peux faire le double as directement? Ah bah bien sûr. Je vois difficilement comment tu peux. Ça meurt, c'est bon. Ouais. Hop. Ce qui va pas mal te libérer normalement. Oui. Ça m'offre des options. Ah bah oui. On va tous revenir au centre. Et oui. Et du coup, mon tour se termine. Je contrôle un objectif. Ici. Et ça, c'est fait mon troisième point. Tiens, sur mon tour 5, ben je fais ce que je peux. Ça paraît difficile, quoi. Ça paraît compliqué. Bon, là, j'ai un flanc ici. Même si il m'a. Avec son sort, même si j'ai moins 1 pour toucher, ça devrait bien se passer à part un doublas, logiquement. Ouais, je pense, ouais. Là, j'ai mis un petit peu en retrait mon volant parce qu'il avait. Il n'avait pas de ligne de vue en fait sur la cavalerie ici. J'ai mal positionné mon unité, donc ça fait une deuxième erreur sur le tour précédent quand même. Ça fait beaucoup d'erreurs sur le tour précédent. Je prends quand même la cavalerie de flanc et de face ici pour espérer la tomber. Ça me fait que 15 attaques, donc il y a peu de chances que je la tombe. Mais c'est un peu la dernière chance, quoi. Si ça tombe pas, c'est compliqué parce que derrière, il va bien me charger avec tout ce qu'il a là, avec sa cavalerie ici. Si Tutonard, c'est indépendant qui va pouvoir enchaîner derrière. Ça, c'est compliqué. Donc bon, on va voir comment ça va se passer. J'ai pas de sort. J'ai que du corps à corps. Et on va commencer par ce qui me paraît le plus simple à réaliser. On va commencer par ici. Donc là, on est sur 25 attaques. X 2. Donc on a 50. Je vais les faire en deux fois. Avec le sort, je touche sur du 4. Je vais toucher sur du 3. Hop, sur du 4, on a force 1. Ta défense 3. Ça va être sur du 2. Pour la suite... Tuc 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. T'as 13 dégâts. Si tu veux, tu peux lancer 2 dés. Voir ce que ça fait en morale. Tu peux relancer. C'est déjà mort. Je pense que ça sera mort en tous les cas. Hop, ça c'est mort. Et je vais avancer d'un des 6. De toute façon, ça va m'emmener au contact de ton sorcier. On va retirer le petit token de gêné. Et puis bah, ensuite, on va faire la cavalerie. Donc, on a une charge de flanc, donc 2 x 5, 10, et une charge de face. En tout, ça nous fait 15 dés. On est sur du 3+, force 2. Faut que je fasse en différencié, parce que j'en ai un qui a pris des dégâts. Et il a drain de vie. Ouais, tout à fait. Donc celui qui n'a que 5 attaques, c'est sur du 3. C'est sur du 3 à nouveau. Il fait 2 dégâts. Il se soignera de 1. Hop, je fais ton soin. Merci, c'est gentil de me soigner. C'est très sympathique de ta part. Et puis, il y a 10 attaques de flanc. C'est pas si mal. Oups là. Pardon la caméra. C'est sur du 3 à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5. 5, je t'avais fait 2 à la fois d'avant ou 3 2. 5, 6, 7, on est à 8. On est à 9 avec le brutal.
14-16 de morale, c'est compliqué. Oui. 7 pour bloquer. 9 pour tuer. 2 fois. 9, ça meurt. J'ai ramené le puits des âmes exprès. Ah, il a 6 pouces du coup. Et oui. Oui. Non, et non. 6. 6 et 9. 15. Ébranlé. Tout à fait. Ébranlé. Bon, c'est ébranlé. Ça suffira pas, mais ça va furie. Attends, non. 6 et 9. 15. Oui, non, en fait, c'était 7 pour tuer, hein, du coup. Du coup, c'est ébranlé. Et j'ai pas fait 7 avant, là ? Non, t'as fait 6. Attends, on est à 8. Il y a 8 dégâts. Tu viens de faire 6. Donc 8 et 6, avec le brutal 8 et 7. 15. Il y a 9 avec le brutal. Le brutal, ouais. Ouais. Donc, 9, c'est ébranlé. Dans tous les cas, c'est ébranlé. C'est ébranlé. On a bien compté. Ok. Bon, bah voilà. J'ai fait ce que j'ai pu. Il fallait que je tente. Et ça me paraît difficile. Ça va donc être le tour 6 de Clément. Tout à fait. Il va pas me rester grand-chose à la fin de son tour, logiquement. Sauf quelques doublas, on ne sait jamais, on verra. Donc tour 6, donc on arrive à la fin. Oui, il va tout falloir, à fait. Gérer les objectifs. Donc ici, j'ai placé le Chronéas devant, alors pas à un pas, parce que j'aurais pu avancer jusqu'à un pas, mais j'aurais pris une charge de flanc. Vu qu'il n'est pas agile, je peux pas faire autant de rotation que je veux. Donc je l'ai mis à un pas et demi, deux pas, mais pour être sûr de charger de face. Et puis l'idée, c'est de me bloquer de façon à ce que je ne puisse pas, de toute façon, impacter le centre, même sur un éventuel tour 7. C'est ça. Ça paraît difficile. C'est l'idée. J'ai beaucoup de PU par là. L'idée, c'est de... Voilà. Le sorcier abyssal, elle reste là pour le motivant, parce que c'est important pour rester en vie. Et il va aussi relancer Terre brûlée, histoire de bien ralentir la horde et qu'elle reste loin. Mmh, tout à fait. Ici, donc j'ai remarqué le départ du puits des âmes. Ça va être important, parce que j'ai fait une contre-charge ici. Donc on va jeter les dés. De régène. Régénération sur du 5+. C'est ça. Donc 8 dégâts. Donc 8 dés. Ça en fait 2. Hop là. Bah tiens. Hop. Et les 6 donc, vont sur le puits des âmes. Je suis okay. À moins de 9 pas. Ouais, ouais. Et le puits des âmes se déplace ici. Donc c'est tout frais. Donc, ça ah ouais, le puits des âmes. J'ai pas grand chose pour le tuer sur mon armée. C'est compliqué. Donc. Faut. Il y avait le dragon. Il y avait le dragon. Shot, ouais, Il y avait le dragon, mais le dragon a tenu un tour. Oui, alors le dragon n'aurait pas dû mourir, ça aurait été plus simple, effectivement. Mais ouais, c'est compliqué, là, après. Ouais. Donc la cavalerie a chargé. Alors la règle de la cavalerie, c'est sur un indépendant. Enfin, la règle de charge sur un indépendant, c'est l'indépendant qui ferme et le chargeant qui se décale. Donc il a chargé tout droit, il a touché l'indépendant, l'indépendant, hop, tac, et après il se ressemble, donc voilà. On arrive sur cette position-là. Ouais. Et là, clairement, si je le tue, il va contacter le flanc ici, donc voilà. Et normalement, il y a de fortes chances que ça se passe comme ça, mais les doublas arrivent. Il y a de grandes chances que ça se passe comme ça, on va pas se mentir. Après, j'étais obligé de tenter la charge, quoi. J'avais pas d'autre solution. J'aurais pu le délayer encore un tour de plus, mais ça me fait quand même deux cavaleries à tuer. Si je la tuais pas de toute façon au tour d'avant, cette cavalerie là, c'était compliqué pour moi. Donc j'y suis allé. Tout à fait. Bon, là, à part un énorme coup de chance, je vois pas trop comment c'est possible pour moi. C'est ça. Voilà. Donc terre brûlée pour ta horde. Donc 2 dés, tu touches sur le 4. C'est ça. Ça touche, une fois de plus. Et donc le corps à corps, donc on a les deux régiments de cavalerie. Oui. On va commencer par celle sur l'indépendant. Celle sur l'indépendant, très bien. Bon, 18 attaques sur du 3, 3+, 3+, défense 5, tonnerre. Il a déjà pris... on n'a pas fait la seule de mort du chronomètre. Ah oui, c'est vrai, la horde plus en dégâts. Je suis à 2 dégâts. Et bah 3+, 3+, sur Tonard. Hop, alors c'est le combat le plus important du tour, soyons francs. En oui, plus sur clairement. Le double as à la fin, on va dire. Ouais, ça va faire beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, il avait déjà pris 8. Donc relance. Non, il est mort. Bah, j'avance d'un des 6. Bon, forcément, il le contacte. Eh, tu t'alignes ou hein, attention, ouais, tu t'alignes. Oui, je vois, tu t'alignes. Tac. On s'aligne. Tac, il est sur le flanc. Donc là, il double, on a 36 attaques. Hop, donc deux fois ça. On continue ici. Même stat, 3+, 3+. Hop. Il a déjà pris 3 en plus. Donc 5 de plus. 5 de plus, on est déjà à 8. Hop. Et la deuxième sauce. La deuxième vague. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, on 7. On est sur un double as. On est sur un double as.
Double as deux fois. Une première fois, une deuxième. Nope, non plus. Ça meurt. Hop. Et donc la dernière cavalerie. Oui. Normalement, j'ai tous mes dés. Ici. Ok, oui. Et bah 3+3+ encore sur 18 attaques. Alors celui-là est moins automatique. Il est moins automatique. Mais quand même. T'as réussi à l'ébranler avec une petite. Tu vas peut-être réussir à le faire avec une grosse cavalerie. C'est pas dit, c'est pas dit. Ah, t'es pas si mal quand 3, même. 3, 5, 8. 8, ouais. 13, 15 de morale. Oh, c'est pas dit ça. 3. Et ben 8 et 3. 11. C'est vrai qu'il tient. Il tient. Il a envie, mais bon. Ok, et ben c'est mon tour 6. C'est la fin de mon tour, de tour 6. Donc je te laisse la main. Ok. La fin de mon tour 6, je te laisse la main pour la suite. Ok, très bien. Effectivement, là je contrôle le centre. Mon tour 6, eh bien on joue la chance. On se dit pourquoi pas. Des fois, j'ai pas un signe divin, quelque chose. Donc on contrecharge ici. On est venu charger avec le volant ici. On est venu charger là avec la horde sur le Chronéas. Donc là, il faut que je fasse. Faudrait que j'arrive à tomber les deux régiments pour potentiellement faire une égalité. C'est ça. Non, tu pourrais gagner. Non, je pense que tu as 3 pouces avec la. Ah, faut. Donc, tu contesterais. Ouais, on contesterait. Tu contesterais. Donc bon, je joue pas le tour 7. Hein. Je me dis, on met tout sur le tour 6 parce que j'aurais pu essayer de jouer un tour 7. Tu vois, ouais, ouais, non, dire, mais là, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Donc on y va. On. Allez-y. Enfin, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est vrai que même sur un tournoi, c'est important d'aller jusqu'au bout pour. Ouais. Pour sur un tournoi, je l'aurais joué l'attrition. Différemment. Là. Ah, c'est possible. Sur un tournoi, j'aurais joué l'attrition. J'aurais joué l'attrition. Ouais, ouais. J'aurais joué l'attrition, j'aurais joué autrement. Là. On est plus sur le beau jeu. Bah là, sur le tournoi, je. Honnêtement, j'enlève mon petit volant ici, je le décale. Parce que j'ai aucune chance de tuer ta cave. Ouais, ouais. Je sauve mes unités et j'essaie de tuer le Chronéas. Autant que possible. Mais là, on n'est pas sur un tournoi, donc on va. On joue la gagne. Ouais, on la gagne, ouais. On joue une égalité sur un miracle. En gros, c'est ça. On va commencer par la horde, donc il touche que sur du 4, bien évidemment, parce que il y a toujours ce sort, cet affreux sort qui me fait taper pas trop fort. C'est un beau 4. C'est un beau 4, soyons francs. Mais bon, t'as une défense 5 et t'as un moral important, donc là. Ah ouais, mais là. Sur du 4, j'ai force 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est à 8. 8, tu as. Tiré 18, donc 10 relancé 10. Ah. Ouais, mais t'as. Non. Bon, d'accord. Le doublas. Le doublas, c'est fait. Bon. On va tenter de. On va tenter de tuer ton régiment au centre. Allons-y. Celui-là, donc. On est parti. Ouais, 5 attaques sur du 3. Allons-y. On en touche 3. Force 2. On est sur du 3. On te fait 1 dégât. Donc, dans tous les cas. Il y a droit à un test. Est-ce que je peux l'ébranler? Non, c'est sorti, ouais, mais je l'ébranle pas. Ok. Et l'autre? Sur du 3. Sur du 3. Un dégât nouveau. Pas pareil, ouais, ça non, sert à rien. Je regarde si je l'ébranle des fois qu'il y a un tour. Ouais, non, non, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Une fin du tour 6. Ouais, et ben. Je te laisse lance un tour 7. Sur un 4, 5, 6, il y a un tour 7. Il y a un tour 7. Il y a un tour 7. Et bien, fais-toi plaisir, achève-moi tout ça. Ça va saigner. Ça va saigner. Et eh ben on est parti. Mélopée du fléau. Il y a aussi linceul de mort pour ah oui, qui fait un premier dégât, bien sûr. Un dégât sur la horde avec le linceul de mort. Mélopée du fléau, donc 2 dés. Raté, relancer, mais j'ai le bâton invocateur. Qui t'a encore jamais servi jusque-là. Et bah là, il sert. Et il fonctionne en plus. Elle passe là-dessus, la mélopée. C'est ça. Donc crushing 2, donc ça va être du 3+3+. Oui. Et ben on va faire justement celle-là. Ok. Ça sera fait. C'est un bon 3+, c'est pas mal. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Et t'es à 10, j'ai 13-15 de morale. 7. Relance, parce qu'il se motive. Doublas, mon deuxième. Ben c'est bien. Ça me laisse un petit morceau de micro-chance. C'est ça. Et la deuxième cavalerie, oui. 3+4+. Oui. Donc d'ailleurs, je crois qu'on avait fait 3+3+ tout à l'heure, c'était une erreur. Mais bon, il a survécu, donc c'est. Ouais. C'est pas très très grave. Oui, parce qu'effectivement, il n'avait plus la charge fracassante. T'as raison. C'est ça, c'était une erreur. Bon, ça arrive. Oui, il a survécu. Bon, je pense pas que ça change grand chose, à mon avis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 6, t'es sur un doublas, là.
Un autre encore. Relance, il est motivant. Non, 10. Cette fois-ci, il décède. Donc, oui, l'erreur n'aura pas d'impact, je non. pense. Aucun. Le Chronéas des 6 plus 6. 1. Bon, ça. Il est moins motivé, il est fatigué. Bah, en même temps, il s'est pas. Voilà, il a fait. Ah, il a pris des dégâts. Il a fait des dégâts, puis là, il s'est pas mal débrouillé sur le reste de la partie, donc c'est bon. Il y a un moment, il faut qu'il arrête aussi. Hop. La force 3 avec ça, c'est ça? Oui. Donc sur du 2. Sur du 2. Voilà, on met que 2. Hein. Et là, t'en mets que 2. 5. Il soigne le plus des âmes de 2, parce qu'il peut faire ça. Ok. Hop. Et le plus des âmes sur du 4. C'était un beau 4. C'était un très beau 4. Force Et sur 2. Du 3, force 2, ouais. C'est fort. 8. 8. Et il se soigne de 5, donc le puits des âmes est tout neuf. Je suis à 13. 13 et 7. 13 et 7, 20. 20. Ébranlé. Bon, t'as pas furie. J'ai pas furie. Donc mon tour 7, ça va être extrêmement rapide. Là, je peux rien faire. Je vais juste taper ici. Et, ben, et puis on va faire donc, mes 5 attaques. Et là, bon... Il n'y a pas grand-chose à espérer. Sur du 3, j'en passe 3. Force 2, donc c'est sur du 3 à nouveau. J'en passe 2. Tu passes à 3 dégâts. Je fais un jet de morale. Je suis pas moitié. Ouais, mais je ne fais que 6. Ça ne sera pas suffisant. Donc ce ne sera pas suffisant. Et ben fin de la partie. Merci Bonne à partie. Toi. Victoire de Clément, du coup. Hein. Tout à fait, de 4 à 2. De 4 à 2, tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. Et à l'attrition, j'ai sûrement un peu plus. Oui, j'ai plus, parce ouais, que t'as ça plus vaut à assez cher ici. Non, t'as plus à l'attrition, clairement t'as plus. Alors mon cher Clément, qu'est-ce que ça fait de mettre une petite branlée? Dis-moi tout. Oh, c'était pas si... Bon, la fin a été plutôt... Non, c'était une partie intéressante déjà. Oui, ouais, c'était rigolo. Bah, déjà, c'était la première fois que je jouais contre des orques... De la faille. De la faille, hein. Tout à fait, ouais. Riftforge, qui est sorti il y a 2 ans, c'est ça, 2-3 ans peut-être. Tout à fait, tout à fait. Donc c'était très intéressant à jouer contre, découvrir des choses. Après, effectivement, j'avais peut-être une armée, c'est l'armée que j'ai préparée pour le tournoi du mois prochain. Toi, c'était une armée que tu avais fait plus ou moins pour l'occasion. Donc ouais, c'est une armée pour montrer un peu des tactiques un peu différentes qui n'ont pas fonctionné parce que à tour 1, dans tour 2, tu me bloques ma horde qui reste bloquée un moment. Bon, c'est le risque avec ce type d'armée que j'ai là, avec une grosse horde, c'est que tu la bloques et une fois qu'elle est bloquée, ben, elle fait plus grand chose. C'est ça. Elle est toujours en vie à la fin de la partie, mais du coup, voilà, ça, mon plan de base, déjà, il part à l'eau. C'est ça. Bon, c'était le coup de chance de ma part sur celui-là. Bah, coup de chance, mais en même temps, c'est un risque que je prends. Je mets des petits volants qui sont devant. T'as des indépendants qui peuvent aller taper. C'est pas très difficile d'ébranler quelque chose qu'un. Voilà. C'est sûr. C'est un risque que je prends, et puis pour. Avoir souvent joué ce type d'armée, ça arrive souvent. Quand tu comptes sur nous deux grosses hordes, elle se fait régulièrement bloquer ou autre. Voilà. Moi, j'avais un peu trop avancé un régiment, là où je voulais justement éviter les doubles charges. Bon, j'ai un peu raté mon coup. J'avais un peu oublié ton régiment, enfin ta troupe. Tout à fait. D'orques fantomatiques. Oui. Je ne me rappellerai pas les noms. Les marcheurs de la faille. Marcheurs de la faille. Et bon, ça a un peu, c'était un peu dérangeant au début, mais au final, j'ai, en tuant ton dragon qui avait chargé, j'ai pu un peu inverser la vapeur. Tout à fait. J'ai eu quelques coups de chance. Les moments clés de la partie, c'est le fait que tu m'ébranles mon petit volant devant ma truc. Ça, c'est un premier tournant. Un deuxième tournant où moi, je me suis senti mieux, c'est mon tour 2, où il y a quelques trucs que tu vois pas, tu fais quelques bêtises, ouais, je te fais des dégâts, je te fais la charge du dragon, et c'est une belle charge aussi. Ah ouais, c'était une erreur que j'ai fait. Ça passe pas, bon, derrière le dragon meurt, donc c'est ton tour 3 à toi, t'as fait un bon tour 3. Là j'ai fait un très très bon tour 3, c'était le... Tout ce que t'as fait sur ton tour 3 a réussi, tout ce que j'ai fait sur mon tour 3 a raté. À l'autre tournant, c'est le doublage que tu fais, parce que là effectivement ça me relance. Je me dis, ah bah là j'ai peut-être une chance de m'en sortir et tout, etc. Ouais, mon tour 4 a été un peu beaucoup plus décevant que mon tour 3, soyons francs. Tout à fait. Ça t'a permis d'avoir un petit souffle. Tout à fait. Là où il y a le tournant final de la partie, c'est mon tour 4. Où clairement, je fais deux bêtises. La première bêtise, c'est que je recule ma grosse horde et j'oriente mon sanctuaire forge foudre. Tout à fait. Je te donne un dos. Donc il meurt, tu scores ton truc que j'essaie de protéger. C'est ça. Et mon deuxième erreur cette partie-là, c'est que j'avais positionné à la base mes volants pour te prendre ton régiment de cavalerie avec les trois. Et j'ai pas fait attention sur la ligne de vue, il y en avait un des deux qui avait pas la ligne de... Enfin, un des trois qui avait pas la ligne de vue. Ouais, ça les aurait tués. Hein. Bah oui, il manquait un dégât pour les tuer. Ouais. Donc voilà.
Tout à fait. C'est le gros tournant de la partie pour moi, c'est le moment où je fais plein de bêtises sur le tour 4, et bah, là, après j'ai plus qu'à compter sur la chance pour essayer de gagner. En tout cas, c'est une partie intéressante. Oui, oui, et puis fort sympathique. Ouais. Toujours sympa de faire ce genre de partie. Clairement. Voilà. Et puis j'affronte pas souvent les forces des abysses aussi, et on les voit pas très souvent en tournoi. Non, c'est pas très présent. Alors ouais. Moi ça m'amuse, je sais pas si compétitivement c'est la meilleure, mais je réussis souvent à faire des deuxièmes cartes tableau au moins. Je suis pas aussi présent sur la scène de tournoi que Arthur par exemple, que vous avez vu la dernière fois. Mais voilà, je m'amuse, même si on joue pas si souvent, les règles sont simples, ça revient vite. Tout à fait. On s'amuse, les gens sont sympathiques. Ouais, pas beaucoup de drama. Non, pas trop. Voilà. Prochain tournoi pour toi, c'est quand? Prochain tournoi, il y a le Clash of Teams mi-mai, donc en équipe de 4. Tout à fait, où je participe aussi, c'est à Limoges. Tout à fait, c'est très sympa. Ouais. Après, donc, il y a le tournoi à Rouen, qu'Arthur organise où, 24-25 juin, où on commence le vendredi soir, donc le 23, pour avec une boîte de peinture, donc enfin une boîte, pardon, une nouvelle boîte d'armée qu'il va falloir peindre pour jouer le dimanche. Donc sur du 900 points si je ne m'abuse, quelque chose d'assez court, en prise rapide, ça, ouais. Des parties très courtes. Donc le but c'est d'avoir, il y aura forcément un prix peinture parce que c'est ça qui est rigolo. Mais si vous voulez vous mettre à King of War, c'est vraiment vraiment une bonne occasion, redécouvrir la communauté. Bah, je vous encourage à aller à ce tournoi-là. Ouais, ça va être, je pense que l'ambiance va être assez sympa. Je ne suis pas dispo, donc je ne peux pas venir, mais ça me paraît un concept intéressant. Ben moi, j'organise un tournoi. Alors, il n'est pas officiellement annoncé, mais je vais l'annoncer ici. De toute façon, le temps que la vidéo soit publiée, je pense qu'il sera annoncé. Le prochain tournoi du Muton Noir. Donc, on fait deux tournois du Muton Noir par an. Là, c'est le Muton Noir d'été qui aura lieu le premier week-end de juillet. On est sur un tournoi à 22 places, 40 euros, 3 repas compris. Il y a moyen de dormir sur place gratuitement. C'est donc dans le centre de la France, et tous les gens qui sont venus jusqu'à présent au Mouton Noir sont toujours partis très contents et surtout très rassasiés, puisqu'on a la chance de travailler là-dessus avec une autre association qui s'appelle la Mandragore, qui nous accueille sur place, qui s'occupe de faire la nourriture et qui nous fait quand même 3 repas maison pour 40 euros, donc franchement c'est très très sympa. Et dernière petite actualité niveau Kings of War, un petit point sur les masters français. On a créé cette année avec un groupe de travail, on a mis en place des masters cette année. Ça s'appelle la Ligue France. Je ne sais plus comment c'est quoi le nom, mais c'est les clients des masters en France. Et ils auront lieu, a priori, début décembre, potentiellement aussi chez moi, Mouton Noir. On n'est pas encore sûr de l'endroit, mais ce sera un lieu central en France. Et on a un classement qui est en place, et on va avoir 24 joueurs dessus, et ce sera les premiers masters français sur Kings of War. Sinon, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur le Discord de Creative Wargame, où je suis présent et tu vas être présent aussi. Oui, je vais le rejoindre. Dans le canal Kings of War, n'hésitez pas à poser des questions sur la partie, sur le jeu, sur plein de choses. Moi, j'y suis présent sous le pseudo My Nickname. Et puis, venez sur le Discord de Creative Wargame et puis on pourra discuter avec plaisir. Alors, je rajoute juste un autre tournoi auquel j'assiste, c'est celui en Angleterre, le Clash of Kings, avec Arthur et quelques autres. C'est encore en train de se peaufiner comment on s'organise, mais je serai au tournoi en Angleterre également. D'accord. Bah, moi, je fais un tournoi le week-end prochain chez Rachid, que tu connais sûrement. Ah oui, à Bordeaux. À Bordeaux, du côté de Bordeaux, tout à fait. Alors, on n'est pas très nombreux parce que ça fait beaucoup de tournois en peu de temps, mais c'est le week-end qui vient, là, et c'est pareil, c'est un tournoi qualificatif pour les masters. Voilà, très bien. Bah, à bientôt, potentiellement sur Creative Wargame, avec plaisir. Ou autour d'une table de jeu, ça serait parfait. Ouais, et je veux bien qu'on change dès la prochaine fois, par contre. Les amis, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle que si vous voulez en voir plus, il faut nous faire savoir par les pouces, les commentaires et le partage sur les réseaux, c'est ce qui nous fait vivre, et c'est ce qui nous montre que voilà, tout ça, ça vous plaît. Je remercie grandement Julien et Clément pour s'être déplacés, ils viennent de loin, pour venir jouer à King of War chez nous. J'espère vous revoir très bientôt, les gars. Comme il le disait, rejoignez notre Discord si vous voulez avoir toutes les actualités, pouvoir converser avec les intervenants qui passent sur la chaîne. Si vous avez des questions sur les armées, sur les figurines, sur les tactiques, si vous voulez avoir plus de précisions sur tous les tournois qui s'organisent, vous voyez que King of War est en bonne santé, parce qu'il y a beaucoup de tournois qui s'organisent, ça c'est une bonne preuve de la chose. Donc profitez-en si vous voulez vous y mettre ou vous relancer ou continuer. Voilà, c'est dans le Discord que ça se passe si vous voulez en parler. Je remercie aussi évidemment nos partenaires que sont Crank Wargame pour des tapis de qualité, MyScenary pour des décors et évidemment My Hobby Place pour des figurines à moins 20% pour ce qui est de la gamme
Game Workshop et moins 10% pour la game King of War. C'est tout nouveau, je vous l'annonce en avant-première. Donc profitez-en, les liens sont dans la description. Faites de beaux achats. Je profite aussi pour vous dire que si jamais vous faites un achat dans le courant du mois sur MyHobbyPlace, vous avez la chance de gagner une boîte Léviathan, la nouvelle boîte V10 de Warhammer 40 000. Donc profitez-en, ça sera un tirage au sort d'ici le mois prochain. Voilà, vous avez toutes les chances de gagner. Nous, ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien. Voilà, tout le monde est content. En tout cas, encore merci pour nous avoir suivis. Et je vous dis ciao les seigneurs de guerre.